Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je salue les membres du public, l'ensemble du conseil municipal. Je voudrais d'abord excuser Frédéric Lamancia, qui va hélas pas pouvoir nous jouer son morceau de musique habituel avant le conseil. Il a une double tendinite. Il paraît que les organistes, ça arrive fréquemment. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement pour pouvoir de nouveau bénéficier de ces morceaux en introduction de notre conseil. Deuxième élément d'introduction, on avait pris un engagement d'organiser chaque année un conseil municipal délocalisé. Je vous informe que sous réserve d'une impossibilité technique majeure, mais à laquelle on ne devrait pas être soumise, le prochain conseil municipal du 10 octobre aura lieu au gymnase d'Eparmer-Huillot, qui va ouvrir ses portes à la rentrée dans le quartier de Cusset, juste à côté du collège Chabroux. Troisième point d'information, vous le savez, la ville s'est mobilisée sur la question des dark kitchens et des dark cities au regard de leur déploiement important pour la ville. C'est une source d'inquiétude pour nous au regard du souhait du développement économique qu'on souhaite pour cette ville, à la fois sur les conditions de travail des livreurs précaires, des cuisines entrepôts qui fragilisent un tissu économique de proximité, le cadre de vie des habitants qui est souvent gêné par la non-régulation du stationnement des livreurs, et puis aussi une forme d'uniformisation des questions liées à l'alimentation et au commerce. On a donc sollicité l'Assemblée citoyenne pour travailler sur cet enjeu. Ce sera une des premières missions qui leur sera confiée. On leur a proposé notamment d'enquêter auprès des habitants pour répondre à cet enjeu-là. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur les livraisons à domicile, mais plutôt d'interroger sur à quelles conditions ces livraisons à domicile sont acceptables sur notre ville. Donc, les 80 membres de l'Assemblée citoyenne de Villeurbanne qui font un travail remarquable, je tiens à le dire, ont commencé cela, et si ça en intéresse certains, ils ont maintenant un lieu dans lequel ils peuvent accueillir des visiteurs pour échanger avec eux, 24 rue de Venise à Cusset. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de m'y rendre ce matin, puisqu'il y a un des chantiers jeunes qui travaille avec l'Assemblée citoyenne pour la semaine à venir. Troisième sujet d'information, vous l'avez vu pour certains dans la presse, on a eu quelques difficultés avec deux mariages samedi qui ont conduit notamment l'adjoint en charge de la célébration de l'un d'entre eux, Marès Benadj. Je ne sais pas si Marès est arrivé. Ah oui, il est là. En lien avec Yann Krombeck et moi-même, de suspendre ce mariage pendant 1h30 pour rappeler aux personnes les règles du jeu, de demander à titre exceptionnel à ce que ce mariage se célèbre dans l'intimité des familles. Donc on a fait évacuer le cortège de l'hôtel de ville au regard des nombreux débordements qui avaient eu lieu préalablement en ville et à l'avenir. Et nous l'avons signifié par un communiqué de presse. Dès que des débordements et des infractions au code de la route seront commises par des convois dans le cadre des mariages, nous serons amenés à suspendre, annuler ou reporter les mariages en fonction de la gravité et en lien avec les forces de l'ordre national. Mais on ne peut plus tolérer, au prétexte que quelques-uns souhaitent fêter le mariage, qui est toujours une très belle occasion, que les riverains de notre ville en fassent les frais. Donc ce sera la ligne dorénavant, comme nous avons pu le dire. Et merci à Marès Benadj et à Yann Krombeck d'avoir géré cette situation un peu tendue samedi dernier. Sur un tout autre registre, je ne voudrais pas me faire professoral, mais il se trouve qu'à quelques jours près, on fête les 50 ans de la promulgation de la loi Pleven. Et puisque cette loi a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, je pense que vous ne me trouverez pas en train d'essayer de faire un positionnement politique. Mais le 1er juillet 72, la loi dite Pleven relative à la lutte contre le racisme était promulguée, votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité
Je l'ai indiqué, sous le gouvernement Georges Pompidou, cette loi est venue consacrer des efforts incessants menés depuis les débuts de la Ve République par plusieurs parlementaires, mais aussi des acteurs associatifs tels que le MRAP, le Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme et pour la paix, qui ont œuvré pour la mise en œuvre de cette loi, mettre à l'époque à l'agenda du gouvernement la lutte contre les discriminations et contre le racisme avait été un pari ambitieux et ça avait été aussi le résultat de l'engagement de ces associations. Jusqu'au début de l'année 72, le gouvernement de Pierre Messmer était réticent à proposer cette loi avant que le garde des Sceaux de ce gouvernement, M. René Pleven, s'engage pleinement dans un dialogue étroit avec le Parlement. Le débat préalable à l'adoption de ce projet de loi fut un temps fort de l'histoire républicaine. Une intervention mémorable de Michel Rocard, ainsi que des sénateurs tels que le radical Gaston Monnerville ou le socialiste Pierre Giraud lors de la séance du 22 juin 1972. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le cadre juridique ne permettait pas de poursuivre les auteurs de propos racistes au motif que leurs propos ne visaient pas l'ensemble des personnes d'une race ou d'une religion. Et en 1972, la loi est venue supprimer l'exigence de l'intention spécifique à l'égard de cette injure ou de la diffamation raciste en créant un nouveau délit, le délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. Voilà, je crois que nous partageons ensemble l'importance de redire ce droit, l'importance de lutter contre l'ensemble de ces infractions. 50 ans plus tard, ces insultes racistes, ces injures contre et toutes ces discriminations sont encore, hélas, trop souvent sous le coup de cette loi. Et il me semble que, bien sûr, la ville de Villeurbanne continue à agir dans cet esprit, a fait le choix de ne jamais se ranger du côté de ceux qui se taisent face aux insultes, aux injures et aux discriminations. Et c'est évidemment dans ce cadre que la ville a porté plainte contre les injures inscrites sur le passage piéton créé dans le cadre du mois des fiertés sur l'avenue Henri Barbusse. Et plus globalement, c'est en mobilisant ce droit, tout le droit et rien que le droit, que nous continuerons de lutter contre les discriminations, toutes les discriminations. C'est dans ce sens que nous menons ce travail avec Agathe Faure. Il y a d'ailleurs une délibération en ce sens aujourd'hui. Voilà, et puis le dernier point avant qu'on rentre dans l'ordre du jour classique, je ne peux pas m'empêcher un clin d'œil à ce conseil municipal, puisqu'il y a 2 ans, jour pour jour cette fois-ci, le conseil municipal était installé avec les délégations d'adjointes, conseillers municipaux délégués, mais je veux ici saluer l'ensemble des membres de ce conseil pour le travail réalisé depuis 2 ans, que ce soit dans la majorité ou l'opposition, et vous remercier aussi pour la qualité des débats auxquels nous avons droit depuis 2 ans. Quelle que soit la position des uns ou des autres. Je ne doute pas que ce conseil sera à l'image du travail que nous avons engagé depuis maintenant 2 ans. Le conseil municipal est donc réuni en présentiel avec public dans cette salle. Ce conseil, comme tous les conseils de ce mandat, est retransmis en direct sur le site internet de la ville. Et pour démarrer ce conseil, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance, monsieur Mathieu Garabédian, qui est exceptionnellement le benjamin de cette assemblée. Normalement, c'est Marwa Abdelli, mais elle est excusée, pour faire l'appel, si vous le voulez bien, monsieur Mathieu Garabédian. Cédric Von Stevendel. Présent. Agnès Touvenot. Présente. Paul Campy. Présent. Agathe Faure. Présente. Alain Brissard. Présent. Christine Goyard-Gutfin. Présent. Jonathan Bocquet. Présent. Christina Martineau. Absente. Yann Krombeck. Présent. Sonia Tron. Présent. Mohamed Ali, Mohamed Amada. Excusez-moi. Pauline Schlosser. Présente. Moi-même, Laure-Emmanuelle Pradel. Présente. Stéphane Friou. Présente. Aurélie Loire. Présente. Olivier Gluck. Présente. Laura Gandolfi. Présente. Gaëtan Constant. Présente. Melouka Djmimoun. Présente. Antoine Collia. Présente. Aurore Goricker. Présente. Jacques Gernet. Présente. Daniel Carrasco. Présente. Lotfi de Bèche. Muriel Bétan. Excusez, pouvoir à Christine Goyard-Gutfin. Antoinette Buté. Catherine Anavoisard. Présente. Marie Zarteau. Présente. Béatrice Vessier. Présente. Sylvie Donati. Présente.
Laurent Kikrez. Cyril Hollande-Grenberg. Présent. Jacques Vince. Présent. Caroline Roger-Sépi. Frédéric Vermelin. Zemorda Khelifi. Pouvoir à Jacques Vince. Sébastien Chatin. Présent. Mariano Béron-Pérez. Yclef Chic. Présent. Julien Ravello. Présent. Maxime Jourdan. Présent. Antoine Pelcé. Présent. Floyd Novak. Présent. Katia Buisson. Morgane Guillas. Marwa Abdelli. Excusez, pouvoir à Jonathan Bocquet. Prosper Caballo. Loïc Chabrier. Virginie Demars. Sabrina Benaïm. Marès Benadj. Émilie Prost. Stéphane Colson. Anaïde Sting. Merci, la feuille de présence va circuler. Merci de la signer et de la faire suivre. Je l'ai évoqué dans mon introduction, mais je le refais de manière formelle. Prochain conseil municipal le 10 octobre 2022 à 17h au gymnase que j'ai indiqué. Nous allons maintenant procéder à l'adoption par le conseil municipal du procès-verbal de la séance du lundi 30 mai 2022. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce procès-verbal ? Je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Vous avez par ailleurs eu communication du compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui m'a été accordée par le conseil municipal par la délibération du 4 juillet 2020. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cela ? Très bien. Donc nous allons passer à l'examen du premier dossier à l'ordre du jour. Il s'agit de la décision modificative numéro 2. Je vais laisser Monsieur Jonathan Bocquet, adjoint aux finances, nous la présenter. Et ensuite, on aura des interventions de chacun des groupes politiques. Monsieur Bocquet. Merci. Ça marche mieux, merci. Monsieur le maire, chers collègues, cette décision modificative qui survient quasiment à la moitié de l'année n'est pas seulement une délibération technique comme ça a pu être le cas pour la première décision modificative de l'année. Par son montant, par les choix qui ont été faits, elle souligne des décisions fortes de la municipalité, dont la plupart a été présentée lors des conseils municipaux du premier semestre. Et donc elle prend acte de l'ensemble de ces décisions que nous avons prises collectivement. Il ne s'agit donc pas de nouveautés à proprement parler. Il y a un certain nombre d'incertitudes qui sont levées, notamment du côté des recettes. Et on aura, je vais en faire le détail, quelques bonnes nouvelles. Il y a aussi le renforcement de certaines actions, notamment en faveur de la culture. On va y revenir dans le détail, mais d'abord constatons les grands équilibres de cette décision modificative. En investissement, nous avons des dépenses supplémentaires, essentiellement liées aux acquisitions foncières. C'est la politique assumée d'une stratégie foncière offensive pour anticiper les besoins futurs. Alors évidemment, elle n'est pas sans limite, mais en tout cas, c'est le choix d'une politique qui nous permet de garantir de ne plus être en difficulté à l'heure où nous devrons programmer des équipements publics, comme ça a pu être parfois un peu difficile, faute de terrain. L'ensemble de ces opérations foncières sont liées à des délibérations votées depuis le début de l'année. On a aussi une subvention versée à S-Métropole Habitat, une subvention, une avance pour la SVU. On trouve aussi des lignes plus folkloriques, comme la réinstallation de l'œuvre bossue autour d'un abri jaune sur le rond-point. Et puis du côté des recettes, eh bien on a des ajustements de recettes de la CAF, de la participation aussi de l'État, alors que ce soit pour l'EAJE et l'ENQUED, de la participation de l'État pour le complexe sportif Jeanne Desparmer-Ruello, et encore la subvention de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour la désimperméabilisation et la végétalisation de quatre cours d'école.
sur l'investissement, eh bien, c'est lié à ce que je vais dire tout de suite après sur le fonctionnement, mais on constate donc un recours à l'emprunt accru à hauteur de 5,6 millions d'euros. Donc je vais ensuite expliquer comment on arrive à ce résultat. Je vous le disais, on a quelques bonnes nouvelles en fonctionnement. Essentiellement, ce sont les nouvelles recettes, des recettes structurelles qui arrivent liées à une réévaluation des compensations. Donc d'abord sur les dépenses, puisque c'est quand même le gros de cette décision modificative, eh bien on note une augmentation sensible des dépenses. Elles passent de 169 millions à 172 millions d'euros et elles sont liées à plusieurs causes. La première d'entre elles, c'est Capital Française de la Culture, 5,6 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Les autres dépenses nouvelles sont moins importantes et résultent de causes assez classiques en cours d'exercice. On a des ajustements techniques, des ajustements aussi face à la prise en compte de l'évolution des prix, notamment sur les carburants, sur les denrées alimentaires. On a un ensemble des dépenses liées à des délibérations votées ici, donc les actions RH notamment, le soutien aussi aux populations ukrainiennes, la compensation financière parentale pour la réduction des horaires de crèche, etc. Tout cela donc participe de l'évolution des dépenses, mais vous voyez bien que cette augmentation, elle est en grande partie compensée par des recettes de fonctionnement nouvelles. L'excédent reporté et l'ajustement des produits fiscaux et dotations représentant à eux seuls une augmentation des recettes à hauteur de 3,2 millions d'euros. Donc si on fait le compte des dépenses, on a 6,7 millions de dépenses supplémentaires, mais seulement 1,1 million d'euros de dépenses supplémentaires hors CFC. Donc sur ce que j'ai évoqué, mais on peut évoquer aussi Cuisine Centrale, Territoire Zéro Chômeur, CCAS, etc. Et on a des recettes en progression, provenant donc notamment de la dotation fiscalité suite à la réforme de la fiscalité locale, mais suite aussi à la prise en compte d'un coefficient de revalorisation nominale. Donc 2,4 millions d'euros de recettes supplémentaires du fait de la réévaluation du produit fiscal suite à la notification des bases mises à jour par les services fiscaux, auxquels on pourrait rajouter donc des ajustements sur la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et sur les allocations compensatrices de la taxe foncière. Donc respectivement 2,4 millions d'euros et 380 000 euros pour la taxe foncière, 2,4 millions d'euros pour la réévaluation du produit fiscal. On a aussi des recettes liées au mécénat, à hauteur de 775 000 euros, et le report de fonctionnement à hauteur de 412 000 euros. Ce que je tiens à noter, à faire remarquer, c'est que l'évolution des dépenses, elle est certes supérieure à l'évolution des recettes de fonctionnement, ce qui veut dire qu'on perd une part d'autofinancement. En l'occurrence, on retire 3,7 millions d'euros à ce qui était inscrit en virement à la section d'investissement. Ces 3,7 millions de moins en autofinancement, ils expliquent mécaniquement le recours supplémentaire à l'emprunt. Donc, cet emprunt, il est dû à ce virement en moins et aussi à l'investissement qui s'accroît. Mais ce qu'il faut bien souligner et bien comprendre, c'est que si on enlève de cette décision modificative les dépenses tout à fait exceptionnelles liées à Capital Française de la Culture, eh bien, nous pouvons constater et nous réjouir que les recettes de fonctionnement, en fait, augmentent plus vite que les dépenses de fonctionnement. Si je retire aux 6,7 millions d'euros de dépenses supplémentaires les 5,6 millions liés à Capital Française de la Culture, eh bien il ne reste qu'1,1 million de dépenses supplémentaires, donc moitié moins, même encore moins que la moitié, que les 2,7 millions de recettes supplémentaires qui sont structurelles puisqu'elles sont liées aux évolutions fiscales. Alors évidemment, cette augmentation des recettes liées à la fiscalité, elle ne va pas se produire chaque année, mais cette augmentation-là, par contre, effectivement, elle restera dans le temps. Donc sur cette DM, les masses structurelles, si on met de côté les dépenses exceptionnelles, eh bien on voit que la stabilité budgétaire se consolide au cours de cette décision modificative. Et comme vous le voyez donc dans le détail des dépenses supplémentaires, l'essentiel de cette décision modificative hors recettes fiscales est lié au programme de Capital Française de la Culture. Et donc il nous a semblé à mon collègue adjoint à la culture Stéphane Friou et à moi-même que plutôt qu'une stricte lecture financière que je viens de vous faire, eh bien, cette décision modificative méritait d'avoir une lecture plus en phase avec son contenu, à savoir une offre culturelle ambitieuse qui laisse la place aux jeunes. Et c'est pourquoi je cède la parole à Stéphane Friou.
Merci, monsieur l'adjoint aux finances. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, chers collègues, j'en viens donc à la partie culturelle de cette délibération modificative à la mi-temps de notre année capitale française de la culture 2022. Et je saisis tout d'abord l'occasion pour remercier publiquement de leur investissement tous les personnels de la ville qui ont œuvré à la réussite des grands événements du printemps passé, dont le fameux festival réel au parc de la Fessine il y a un mois. Dans le tableau des dépenses de fonctionnement, où figurent différentes sommes liées à la communication déployée pour l'année 2022, je vais principalement vous expliquer la somme des 4 991 000 euros intitulée « Contrats artistiques et diverses prestations », ainsi que la somme de 182 000 qui correspond à l'aide au projet des petites compagnies et associations labellisées. En introduction, il faut rappeler que ces sommes correspondent à une avance de trésorerie. Nous n'avons pas encore touché toutes les subventions. Vous voyez d'ailleurs dans le tableau des recettes les 200 000 euros escomptés de la région qui nous a notifié son refus et les 773 000 euros de mécénat qui seront complétés par une autre somme dans quelques mois. Nous ne ferons donc le bilan général de l'année capitale française de la culture qu'au Conseil de mars 2023 lors de la présentation du compte administratif 2022. Le bilan devra aussi faire apparaître ce qui relève des dépenses et recettes liées à l'événementiel culturel d'une part et ce qui relève des actions socles de la candidature, dont la particularité était qu'il s'agit d'une évolution des politiques culturelles et éducatives de la ville, évolution qui s'inscrit dans le plan de mandat et aurait été mise en œuvre indépendamment du label, mais qui a été mise en œuvre de façon plus rapide que prévu. Alors, depuis l'obtention du titre de capitale française de la culture, différents événements ont été ajoutés par rapport à la proposition de la candidature et ont été à chaque fois discutés en comité de pilotage du projet capitale française de la culture, ainsi que présentés à nos cofinanceurs de l'année dans des comités de financement. Tout d'abord, un événement d'ouverture qui a eu lieu le 7 janvier dernier pour 250 000 euros et un spectacle de clôture qui sera donné à partir de la fin décembre pour une somme probablement relativement similaire. Pour marquer la dimension internationale de ce premier titre français de capitale de la culture, le contrat avec la compagnie Royal de Luxe qui crée un spectacle et une créature géante spécialement pour Villeurbanne. Nous avions voté fin 2021 le contrat de création en coproduction. Il s'agit maintenant d'intégrer la fiche technique, laquelle comprend aussi l'accueil de toute la compagnie pendant un mois et près de 600 000 euros de frais de sécurité, car le week-end des 23-25 septembre sera considéré comme un grand rassemblement, ce qui occasionne des mesures de sécurité particulières. Vous en avez vu déjà à l'œuvre pour le festival réel et pour la fête de la musique. Cette fête de la musique donc, a été organisée en coordination avec la ville de Lyon le long de l'axe du cours Émile Zola le 21 juin dernier. Elle n'était pas non plus prévue initialement dans la candidature, hein, mais évidemment elle a été là pour marquer aussi ce titre et puis renouer avec la musique et les rassemblements populaires et donner toute leur place aux pratiques amateurs. Nous avons eu deux soirées des Nuits de Fourvière, place Lazare-Goujon, hier et avant-hier. Nous aurons également une nouvelle exposition présentée au Pôle Pixel, où certains et certaines d'entre vous avez peut-être visité l'exposition « Crever l'écran » sur les effets spéciaux l'an passé. Il s'agira d'une exposition de l'Institut du monde arabe qui mêle des photographies de Raymond Depardon et des textes de Kamel Daoud intitulés « Son œil dans ma main ». Qui se termine ces jours-ci à l'Institut du monde arabe et qui arrivera au Pôle Pixel en octobre. Et puis j'ajoute enfin l'aide à l'évaluation de l'année pour que nous puissions évaluer tout ce qui s'est produit, à la fois la participation des jeunes, 115 jeunes volontaires au Festival Réel, et puis la mise en place de ces dispositifs de mini-mix dans nos écoles. Donc cette évaluation est conduite par l'Observatoire des politiques culturelles et puis un laboratoire de l'Université Lyon 2 et se clôturera par un colloque national au printemps 2023. Il faut souligner qu'à l'exception de l'exposition de Pardon Daoud, tous ces événements sont et seront entièrement gratuits. Évidemment, c'est aussi une façon d'expliquer le coût de cet événementiel qui prolonge la culture de la gratuité, dont on peut dire que gratuité peut rimer avec qualité, pour contredire certains qui, dans les médias, s'en sont offusqués.
À cela, on doit ajouter augmentation de l'enveloppe destinée aux projets associatifs divers venus du territoire villeurbanais, ceci dans tous les quartiers et avec tous les types de publics. Depuis l'automne 2021, ce sont donc les 182 000 euros mentionnés précédemment qui ont été ajoutés avec plusieurs dizaines. On est à plus de 100 projets qui ont été validés par un comité de 6 élus qui m'accompagnaient. On évoquera également l'augmentation de l'enveloppe destinée aux projets d'éducation artistique et culturelle de plus 100 000 euros pour l'année 22-23 afin de poursuivre l'effort dans nos écoles. Et j'évoquerai enfin le coût du festival réel que nous avions initialement estimé à 1 million d'euros pour correspondre symboliquement au prix attribué par la Banque des Territoires et le ministère de la Culture. Ce coût est quasiment doublé au final. Ceci, d'une part, en raison d'un rajout de 200 000 euros sur l'enveloppe artistique afin de satisfaire au maximum les désirs de programmation de ces jeunes volontaires qui ont organisé le festival, et en raison des mesures de sécurité qui ont pesé pour près de 700 000 euros dans le budget. Je pense que tout s'est bien passé dans ce festival et que l'on peut aussi s'en féliciter. C'était un grand moment de témoignage de confiance dans la ville, dans ces jeunes. Alors évidemment, cette avance de trésorerie pour pouvoir honorer les contrats de tous ces événements du deuxième semestre 2022 est exceptionnelle pour une année qui ne l'est pas moins. En 2023, nous devrons renouer avec un budget plus normal en gardant à l'esprit de mettre en valeur les inflexions profondes et structurelles nées du côté de la participation des jeunes et de la valorisation des pratiques artistiques amateurs illustrées il y a 10 jours environ par la fête de la musique. Je vous remercie de votre attention. Merci à messieurs les adjoints pour cette présentation à deux voix. Donc l'ensemble des groupes ont demandé des interventions. Je vais commencer par le groupe Villeurbanne Progressiste. C'est vous-même, allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, chers Villeurbannais, Villeurbannaises, sur cette décision modificative, les dépenses les plus importantes sont, comme cela a été dit, Villeurbanne Capitale Française de la Culture pour les dépenses de fonctionnement et diverses acquisitions pour les dépenses d'investissement. Du côté des recettes, nous notons la modification de fiscalité et des subventions complémentaires de l'État, ainsi qu'un nouvel emprunt à hauteur de 5,6 millions d'euros. Tout d'abord, bien que les dépenses soient conséquentes pour Villeurbanne Capitale Française de la Culture, nous nous réjouissons du franc succès rencontré et de la forte mobilisation des Villeurbannais pour les différents événements, notamment le Festival Réel au Parc de la Fessine ou encore la Fête de la Musique tout au long du cours Émile Zola. S'agissant des acquisitions, nous nous interrogeons à nouveau quant à la politique de forte acquisition engagée sous ce mandat et des coûts importants ainsi générés. Cette DM fait état de 6 acquisitions pour un montant de 2,3 millions d'euros, dont une partie va être délibérée au cours de ce conseil municipal. Depuis le début du mandat, si nos calculs sont bons, nous serons à 32 acquisitions votées avec ce conseil. À titre de comparaison, 64 acquisitions avaient été votées sous le mandat précédent. La question que nous pouvons légitimement nous poser est: est-ce que vous n'allez pas trop loin dans les réserves foncières ? Premier exemple, la délibération de 106 pour l'acquisition du 19 bis rue Marcel Samba, d'acquérir une maison enclavée dans un ensemble de 4 maisons jumelées, avec le 17 bis, le 19 et le 19 terre, pour un montant de 470 000 euros plus frais de notaire. L'acquisition de cette seule maison ne permet de mener aucun projet viable. La garantie de pouvoir acquérir les 4 maisons n'est pas acquise non plus. Par ailleurs, à quel projet l'acquisition de cette maison est-elle destinée ? Le projet n'est pas précisé dans la délibération, tout juste peut-on lire que la ville pourra être un acteur incontournable dans les négociations à venir pour le futur projet de la place des Buères, ce qu'elle est déjà. Cette acquisition est indiquée s'inscrire dans le projet urbain partenarial du secteur des Buères. Celui-ci est décrit dans les grandes lignes sur le site de la ville pour aménager du côté de la place des Buères des pistes cyclables et des arbres plantés sur le secteur. Pas de projet spécifique dédié à cette maison donc. Au passage, vous pourrez noter une petite coquille sur l'avis du domaine sur la valeur vénale qui estime le bien situé au 9 bis rue Marcel Samba et non au 19 bis. Alors je vous confirme qu'il s'agit bien d'une coquille car j'ai été constatée sur place et le 9 bis n'existe pas. Deuxième exemple, la délibération de 107 propose d'acquérir le 22 rue de Venise après avoir acquis le 24 rue de Conseil municipal le 11 octobre 2021 sur les pourtours de la place Victor Balland. Si la délibération est validée, il y aura donc deux biens acquis sur ce pourtour. Cela sera-t-il suffisant ? Sinon, de combien d'autres parcelles aura-t-on besoin sur ce secteur et cette place ?
Troisième exemple dans la même veine, la délibération 209 propose d'acquérir le 47 rue Nicolas Garnier après avoir acquis le 49. L'acquisition du 47 se justifiait par un accès facilité au stade Séverine. La nouvelle acquisition, qui arrive par opportunité et propose plus de confort, est-elle vraiment une acquisition stratégique ? On note ainsi un fonctionnement par capillarité, avec une acquisition de biens de proche en proche, plutôt que l'acquisition de biens avec une stratégie prédéterminée et explicitée. Également, au vu du coût important représenté par ces acquisitions pour les finances de la ville, nous souhaiterions éviter d'être contraints de recourir systématiquement à l'emprunt, que ces acquisitions puissent être financées au moins en partie par des ventes immobilières et qu'une stratégie de cession voie le jour. En d'autres termes, nous ne souhaitons pas que les finances des villes urbaines soient englouties par la boulimie foncière de votre exécutif. À titre comparatif, au cours du mandat précédent, pour les 64 acquisitions votées, il y a eu 29 cessions, soit presque la moitié. Aussi, et pour faire redondance avec l'intervention de décembre 2021 de ma collègue Émilie Prost, nous demandons à nouveau de la lisibilité sur la stratégie des acquisitions municipales, au-delà des grands projets connus, type gratte-ciel ou ZAC de Grand Clément. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe Génération, Monsieur Alain Brissard. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, de manière habituelle à notre fonctionnement municipal est présentée à ce conseil une décision modificative à la répartition budgétaire que nous avions votée au mois de décembre, dans le cadre du budget primitif, et que nous avions modifié une première fois au mois de mars dernier. Fonctionnement habituel qui vient traduire l'évolution de nos recettes et de nos dépenses et nous permet une forme d'agilité budgétaire pour être au plus près des besoins et des opportunités. Cette décision modificative ne déroge pas à la règle. Elle vient constater une augmentation de nos recettes de fonctionnement à hauteur de 3 millions d'euros, une augmentation de nos dépenses de fonctionnement d'un peu plus de 6 millions d'euros, dont l'essentiel est constitué par un ajustement à la hausse du budget dédié à la programmation événementielle de Villeurbanne, capitale française de la culture. Cette programmation, nous pouvons depuis 6 mois en mesurer la qualité, en constater l'accueil enthousiaste du public qui porte haut la tradition villeurbanaise d'une culture populaire, chère à notre ville. Elle vient mettre en abîme le recul de la région dans le domaine culturel que nous avons eu l'occasion de déplorer à notre dernier conseil municipal. Mise en abîme, qui aussi symbolique soit-elle, ne pourra pas constituer une réponse ni pertinente ni pérenne à ce désengagement. Car comme l'a dit Monsieur le maire à plusieurs reprises, si nous serons à jamais la première capitale française de la culture, nous ne pourrons pas non plus l'être à nouveau, ce qui donne à ces dépenses un caractère exceptionnel. Les recettes de fonctionnement ne couvrant qu'un peu moins de la moitié de nos besoins, c'est à travers un transfert de 3,7 millions d'euros depuis la section d'investissement que l'équilibre de nos comptes se trouve respecté. 3,7 millions d'euros qui, comme l'a bien expliqué Jonathan Bocquet, vient se traduire par un recours à l'emprunt pour pouvoir financer nos dépenses d'investissement. Nous saluons ce choix du recours à l'emprunt qui vient préserver nos autres projets tels qu'ils étaient inscrits dans notre plan de mandat ou tels qu'ils évoluent en fonction de nos décisions. Nous souhaitons que ce choix, qui lisse ces dépenses exceptionnelles sur la durée, constitue un choix pérenne et ne devienne pas le prétexte à des reports d'investissements futurs visant à redonner à nos capacités de désendettement une trajectoire conforme à nos plans initiaux. En effet, si nous avons été de manière exceptionnelle capitale européenne, française de la culture, il convient de conserver ce caractère exceptionnel et de lui donner toute la place dans notre budget pluriannuel. Merci. Merci. La parole est au groupe communiste et républicain, Monsieur Cyril Holland-Kronberg. Merci. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous devons nous prononcer sur la décision modificative qui intègre de nombreuses dépenses liées à Villeurbanne, capitale française de la culture. Il va de soi que nous approuvons ce rapport, sur lequel je ne reviendrai pas. Toutefois, je voudrais m'attarder un instant sur une dépense culturelle non liée directement à Villeurbanne, capitale française de la culture, que Jonathan Bocquet a qualifiée de folklorique, puisqu'il s'agit de la réinstallation d'une œuvre d'art. Alors, détruite par une voiture il y a près de 2 ans, l'œuvre intitulée « Autour d'un abri jaune » va donc être réinstallée. Réalisée par Étienne Bossu, cette structure monumentale symbolise le passé industriel de Villeurbanne. Au vu des sommes engagées, on peut questionner le bien fondé d'une telle dépense.
En outre, l'œuvre ne plaît pas à tout le monde. Alors, est-il vraiment nécessaire de la remettre en place? Pour nous, la réponse est oui. Tout simplement parce que cette décision ne nous appartient pas. Comme toutes les œuvres d'art, un droit moral y est attaché. En vertu de ce droit, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité d'artiste et de son œuvre. Attaché à sa personne, ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. C'est donc à l'auteur et à lui seul de décider et d'accepter ou non tel usage pour son œuvre. Mais dans tous les cas, l'œuvre ne peut pas être modifiée ni détruite sans l'accord écrit de l'auteur. Il semble important de réaffirmer ces principes car, lorsque l'ombre de la régression plane sur nos sociétés, comme c'est le cas actuellement sur le droit des femmes, par exemple, l'art, les œuvres et les artistes sont souvent menacés. Et certaines municipalités n'hésitent pas à détruire ou déplacer des œuvres pérennes sans en avertir l'auteur. À Villeurbanne, les œuvres d'art ont été semées sur la ville année après année. En un sens, c'est normal que Villeurbanne ait été nommée capitale française de la culture, tant les œuvres font partie de notre quotidien et notre patrimoine. Il reste néanmoins des marges de progression à faire dans ce domaine, car s'il est vrai que nombre d'œuvres d'art magistrales illustrent l'espace public de notre ville, elles ont pour l'essentiel été créées par des artistes masculins. À l'avenir, il pourrait être intéressant de rééquilibrer la démarche en mettant en valeur le travail d'artistes femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est au groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble, Madame Danielle Carrasco. Monsieur le maire, chers collègues, chers Villeurbannaises et Villeurbannais, dans la forêt, Je ne parle pas assez fort. Plus proche. Il faut peut-être juste s'approcher un tout faut petit que je peu. Mange non, le non, micro. Pas à ce point-là. Pourtant, j'ai l'habitude, mais bref. Excusez-moi, monsieur le maire. C'est moi qui vieillis, Madame Carrasco, en fait, c'est tout. Écoutez-moi là. Alors, dans la forêt des chiffres qui donnent le tournis, nous avons choisi de sortir à la lumière certains bosquets de lignes et de les animer sur le devant de la scène, point d'exclamation. Les sommes qui ressortent le plus dans cet ajustement budgétaire sont celles de capitale française de la culture. En tout, ce sont plus de 5 500 000 euros qui ont été ajoutés au budget 2022 pour tous les événements du début et de la fin d'année, dont les plus visibles ont été le Festival Réel en juin avec 43 000 participants et participantes et la fête de la musique le long des cours Vitan à Lyon et Émile Zola à Villeurbanne. Mais nous n'oublions pas les centaines d'autres événements qui ont lieu tous les jours et pour tous les publics, enfants, jeunes, familles. À l'heure du désengagement massif de la région dans les subventions culturelles, proposer des animations et spectacles gratuits fait figure de résistance. La gratuité permet de faire venir des personnes qui, sinon, n'auraient jamais pensé à se rendre à ces événements. Elle peut être suffisamment motivante pour que les autres obstacles d'accès, comme le temps de transport, le temps dégagé et ainsi de suite, deviennent moins forts. Elle permet de créer du lien social entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées autrement. Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir des statistiques sur le type de personnes qui ont fréquenté depuis 6 mois les événements de capitale française de la culture pour vérifier concrètement si les classes sociales les plus défavorisées en ont bien bénéficié. Dans un autre registre, plusieurs dépenses de fonctionnement ont retenu notre attention. Les surcoûts liés à l'achat de denrées alimentaires, 40 000 euros, et ceux liés à la hausse des prix du carburant, 70 000 euros, pour un total de 110 000 euros. Ces dépenses imprévues, mais contraintes, sont directement liées à l'inflation en cours et touchent les citoyens comme les collectivités. Pour rappel, les prix à la consommation ont augmenté de plus de 5% en un an et davantage encore pour les aliments les plus essentiels. Plus de 15% pour les pâtes, 11% pour la viande surgelée et pour la farine. Les totems qui affichent les prix de l'essence restent coincés au-dessus des 2 euros le litre depuis des mois, bien au-dessus de ce qu'ils indiquaient au début du mouvement des Gilets jaunes. Et on sait que la hausse des prix est davantage ressentie par les plus pauvres. Combien de temps cela peut-il durer sans crise sociale majeure ? L'État doit d'urgence bloquer les prix à la baisse des produits de première nécessité et donner les moyens aux collectivités de lutter concrètement et localement contre la pauvreté. Nous voterons bien sûr favorablement cette délibération. Je vous remercie. Merci.
La parole est au groupe socialiste et citoyenne apparentée, Madame Sylvie Donati. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le groupe socialiste et citoyen et citoyenne Villeurbanne tient à remercier messieurs Bouquet et Friou pour leur exposé des recettes et dépenses prévues par cette décision modificative. L'intervention de l'adjoint à la culture témoigne de la dominante culturelle de cette délibération budgétaire. Nous voilà quasiment à mi-parcours d'une année exceptionnelle pour la culture à Villeurbanne, déjà ponctuée par de grands événements, grands non seulement par leur taille, mais aussi, comme vous avez pu le constater, par leur qualité. Je pense évidemment au Festival Réel, qui a été une formidable démonstration du savoir-faire villeurbannais en matière d'événementiel. Nous pouvons nous satisfaire qu'un tel spectacle ait été proposé gratuitement à près de 45 000 festivaliers, surtout lorsqu'on connaît les prix parfois prohibitifs des grands festivals d'été. De même, la première capitale française de la culture se devait de célébrer dignement la 40e édition de la Fête de la musique grâce à un format inédit. Rien de moins que la plus grande rue musicale de France pour l'occasion et un grand charivari de la jeunesse salué par Jack Lang, initiateur de la Fête de la musique et illustre ministre de la Culture comme nous savons tous. Un événement qui nous a donné encore une fois une visibilité nationale grâce à la couverture média qui en a été faite. D'ailleurs là je tiens à saluer ma consoeur de la direction de la communication de la ville pour le travail qui a été effectué par son équipe. Nous saluons la transparence à laquelle l'exécutif s'astreint concernant le chiffrage de ces événements. Effectivement, Capitale française de la culture est une année exceptionnelle et à année exceptionnelle, dépenses exceptionnelles. Les deniers publics ne sont jamais aussi bien dépensés que lorsqu'ils participent à l'animation d'un territoire, qu'ils créent du lien et participent à l'épanouissement de la jeunesse. Nous prenons acte du refus de la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous accorder la moindre subvention, un refus désolant, mais finalement peu surprenant. Soulignons aussi l'important dispositif de sécurité qui a été déployé pour assurer la sûreté et la tranquillité de toutes et tous et qui est resté la priorité absolue de toutes les manifestations qui se sont déroulées jusqu'ici. Tout cela augure une seconde moitié d'année culturelle tout aussi réussie que la première et c'est évidemment avec enthousiasme que nous voterons cette décision modificative. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe Les Écologistes, Monsieur Jacques Vince. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, comme a pu le dire Monsieur l'adjoint en finances en commission, cette décision modificative n'est pas seulement technique. Alors avant d'en revenir au point central qui en fait sa particularité, notons qu'elle marque le volontarisme de la ville quant à l'acquisition foncière et nous nous en félicitons, contrairement à l'opposition. Au titre des dépenses de fonctionnement, l'action sociale n'est pas en reste. On peut penser au CCS, à Territoire Zéro Chômeur. Certaines dépenses sont encore liées à la crise sanitaire, d'autres à l'augmentation du prix de l'énergie, mais globalement, le nombre de lignes de cette rubrique indique la réactivité dont fait preuve la ville et la diversité des actions engagées. Mais c'est surtout la principale dépense non prévue que nous aimerions ici évoquer, évidemment, celle qui concerne Villeurbanne, capitale française de la culture. Avoir l'honneur d'être la première ville à obtenir ce label s'accompagne d'une forme d'expérimentation sur différents plans. Audace et innovation artistique, évidemment, mais également expérimentation budgétaire, puisque nous devons faire une rallonge budgétaire significative, essentiellement en fonctionnement. Si on ajoute toutes les lignes concernées, nous arrivons à un surplus de dépenses par rapport à ce qui a été voté précédemment, et M. l'adjoint l'a bien expliqué, de près de 5,7 millions, avec par ordre croissant des dépenses des balades urbaines à 11 000 euros, des mini-mix à 15 000 euros, et nous en félicitons évidemment, un site internet à 18 000 euros, des aides aux petites compagnies. On rajoute un zéro à 182 000 euros, des frais de logique de communication, c'est bien normal, à 440 000 euros, et puis on change d'ordre de grandeur avec des contrats artistiques pour près de 5 millions d'euros. La facture est donc élevée, mais notre volontarisme budgétaire est la meilleure réponse au dédain du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous savons bien que la culture, comme la jeunesse, n'est pas la priorité du président de la région. Nous en avons des preuves à chaque session du Conseil régional. Mais si la métropole de Lyon a pris sa part, nous souhaitons en revanche mettre en lumière le manque d'aide de l'État et d'autres collectivités pour un projet aussi ambitieux qui fait rayonner Villeurbanne à l'échelle nationale. A-t-on été trop ambitieux? Est-ce qu'on a vu trop grand sur certains événements qui viennent déséquilibrer le budget? Est-ce qu'il y a eu des dépenses non anticipées, comme par exemple celles liées à la sécurisation des sites? La satisfaction semble générale au sujet des événements qui ont eu lieu jusqu'à ce jour et la fréquentation massive et sans aucun incident en est un des principaux indicateurs.
À la mi-année, il est bien trop tôt pour tirer un bilan, mais d'ores et déjà, nous pouvons alerter l'État et lui dire, pour les éditions suivantes et éventuellement pour cette première édition également, donner aux villes lauréates les moyens de votre ambition, en particulier au regard de notre ambition. Capitale française de la culture ne devrait pas être qu'un label octroyé sur dossier sans les moyens financiers qui sont nécessaires pour un projet de qualité. Car Villeurbanne a choisi d'en faire plus qu'un affichage et un concert d'un soir, mais cela l'oblige, pour faire écho au spectacle de ce week-end, à jongler avec des équilibres budgétaires difficiles à tenir. Félicitons-nous du travail effectué toute l'année avec les établissements scolaires publics, les jeunes, dans tous les quartiers, pour toutes et tous, en faisant de la facilité d'accès une fin et de la gratuité un moyen. Nos cœurs battent, nos yeux brillent, nos oreilles se délectent, et c'est pas fini. Cette expérience marquera positivement la ville et ses habitants pendant plusieurs années. Nous voterons donc ces rallonges budgétaires, mais nous souhaitons dire ici qu'elles ne doivent pas se faire au détriment des autres politiques publiques et des nombreux autres projets inscrits au plan de mandat, y compris en matière de budget de fonctionnement. Oui, cette année exceptionnelle aura contribué à diminuer la capacité d'autofinancement de la ville pour 3,7 millions environ, mais rappelons que celle-ci reste bonne. Avec les investissements supplémentaires, elle nous conduit à recourir à l'emprunt pour un montant de 5,6 millions. Cela nous obligera sans doute à revoir nos engagements budgétaires de fin de mandat. La culture n'est pas secondaire par rapport à tous les autres projets d'investissement que nous portons pour les Villeurbanaises et pour les Villeurbanais, mais elle ne doit pas non plus les contraindre. Le 15 juin dernier, plus de 300 000 bacheliers se sont vus proposer Vince, de prêter... Monsieur Vince, je vais vous demander d'aller à la conclusion, merci. Le 15 juin dernier, plus de 300 000 bacheliers se sont vus proposer de traiter la question suivante au bac de philo. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Nous avons évidemment envie de répondre positivement, mais en ajoutant qu'elles ne sont pas seules à pouvoir le faire. Je vous remercie. Merci. C'eût été dommage de se priver de cette conclusion, Monsieur Vince. Alors, puisque les deux adjoints ont présenté ensemble cette DM, je vais leur laisser à chacun un temps de réponse. Qui est-ce qui commence? Ouais, ça y est. Je remercie l'ensemble des groupes pour leur témoignage envers finalement cette année exceptionnelle. Et je répondrai d'abord à mon collègue Jacques Vince que nous pouvons nous féliciter du soutien très étroit apporté par la DRAC, par la préfecture, donc à la fois pour la mise en place de dispositifs pérennes et puis pour les dispositifs de sécurité. Je pense que mon collègue Yann Combeck pourrait témoigner en d'autres lieux. Nous ne pouvons pas préjuger de ce que sera le soutien final de l'État, mais il est possible que peut-être le ministère de la Culture ou la Banque des Territoires, qui sont vraiment informés en temps réel des ajustements budgétaires, réévaluent aussi. Il n'y a que 6 communautés de communes ou collectivités candidates pour l'opération 2024. C'est aussi un signe de la difficulté de la tâche, alors que le planning était plus favorable, on va dire, pour ces collectivités pour déposer un dossier. Au-delà, l'ambition, c'est bien de transmettre un désir de culture à notre population. Et nous en mesurons tous, je pense, toutes et tous, la gravité, l'importance et le travail sans cesse remis sur le métier, alors que la région Rhône-Alpes, effectivement, apporte des nouvelles inquiétantes, moins 3,7 millions d'euros pour le moment de subventions sur les acteurs culturels de quelques départements. Nous, c'est effectivement plutôt des réévaluations à la hausse qui sont aussi autant d'emplois artistiques, d'heures, d'intermittence qui sont payés et qui ne seront peut-être moins payés par des festivals privés de subventions dans les années à venir. Enfin, je remercie également particulièrement mon collègue communiste pour son clin d'œil à l'œuvre d'art des cabanes, qui a été aussi un fait divers malencontreux du début de notre mandat. Et pour dire que dans la deuxième partie de ce mandat, où nous avons beaucoup travaillé sur le spectacle vivant et l'éducation artistique et culturelle, la question des œuvres d'art dans l'espace public sera abordée avec évidemment un travail collectif, avec plusieurs adjointes et adjoints, et donc nous travaillerons sur les critères nous permettant de redévelopper cette politique et de la rééquilibrer. Merci. Monsieur Bocquet. Oui, d'abord... pour remercier l'ensemble des groupes, pour préciser aussi qu'il n'y avait rien de péjoratif.
Je veux rassurer tout le monde, voilà, l'usage du terme folklorique était lié à sa dimension anthropologique, autant par respect pour l'œuvre que par respect du droit. Je ne remets pas en cause l'installation des cabanes sur ce rond-point, mais force est de constater qu'il appartient maintenant à l'imaginaire villeurbanais, et même si ce n'est pas une œuvre collective, je crois qu'il appartient maintenant à une sorte de folklore villeurbanais. Sur les remarques qui ont été faites sur cette décision modificative, je remercie bien l'ensemble des groupes parce que cette décision modificative arrive pour prendre acte de l'ensemble des délibérations qui ont été votées par l'ensemble des groupes, acquisition foncière comprise, je crois, une abstention et une opposition du groupe de l'opposition sur deux dossiers parmi tous ceux qui sont évoqués dans les acquisitions foncières. Donc je pense que cette décision modificative peut être assumée par tout le monde. Dire que, même si évidemment le parallèle doit être nuancé, il se trouve que nous avons 5,6 millions d'euros d'emprunts supplémentaires et que ça correspond exactement à 5,6 millions d'euros supplémentaires pour Capitale Française de la Culture. Donc évidemment, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote révélatrice du fait que nos dépenses exceptionnelles augmentent, nos recettes structurelles augmentent. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir sur cette décision modificative. Je vous remercie. Bien, d'abord, permettez-moi de remercier une fois de plus Jonathan Bocquet pour la qualité à la fois des présentations et de la réponse. Stéphane aussi, bien sûr, Stéphane Friou sur la culture, mais je crois que c'est un exercice de pédagogie et de transparence auquel nous nous sommes livrés qui permet à chacun de bien mesurer quel est notre engagement dans sa partie exceptionnelle et dans sa partie récurrente. Sur la culture, remercier l'ensemble des groupes de leur soutien parce que il aurait pu être facile de s'étonner, de s'interroger sur ces montants-là, mais je crois qu'au regard de la qualité de ce qui a été vécu depuis 6 mois, et puis encore une fois, de cette transparence dans laquelle nous sommes, et je le redis ici, nous vous présenterons un bilan consolidé dès début 2023. Nous ne sommes pas capables de le faire aujourd'hui, mais c'est bien normal au regard de la comptabilité administrative qui est la nôtre, mais nous continuerons à vous informer très régulièrement de ce niveau de dépenses. Ça paraît un minimum au regard des sommes engagées, mais de ce fait, permettez-moi à la mi-année de remercier à la fois bien sûr Stéphane Friou, adjoint à la culture, mais aussi les autres adjoints qui sont mobilisés. Je pense notamment à Sonia Tron avec l'éducation, parce que ça vient à la fois enrichir le programme des écoles, mais ça vient aussi beaucoup mobiliser les équipes. Mais je pense aussi à Yann Krombeck qui passe toutes ses soirées événementielles au PC Sécurité. C'est vraiment lui qui a la délégation la moins drôle de Capitale Française de la Culture, je peux vous l'assurer. Enfin, sauf si des fois il se passe quelque chose. Voilà, je vais en oublier plein, mais je voudrais quand même saluer le travail collectif qui est mené et puis bien sûr l'exceptionnel travail qui est mené par les équipes de la ville. Il faut qu'on se rappelle de ce qui est en train de se passer et de l'énorme quantité de travail fournie par les agentes et les agents de la ville qui font un travail remarquable, que ce soit en logistique, en préparation d'événements, etc. Voilà, j'ai même eu l'occasion de leur écrire récemment parce que vraiment je trouve qu'ils font honneur à notre ville par la qualité des événements qu'ils nous permettent de vivre. Un peu plus en lien avec les interventions. Madame Benahim, vous auriez presque pu faire une demande d'intervention sur les délibérations à venir entre la 206 et la 215. Donc je ne doute pas que Madame Touvenot vous répondra un petit peu sur les acquisitions immobilières. J'avais juste envie de vous dire que moi, en tout cas, aujourd'hui, je préférais notre boulimie foncière à la gloutonnerie de certains promoteurs qui, aujourd'hui, ne cessent d'acheter à des prix indécents sur notre ville et que nous, on participe au fait de pouvoir se porter acquéreur d'un certain nombre de tènements pour des projets immobiliers à venir, pour maîtriser l'augmentation du foncier. Donc, bien sûr, par contre, je rejoins votre suggestion et on vous le fera, si vous le souhaitez, comme on l'avait fait sur les projets urbains, un temps sur la stratégie foncière dans la même configuration. Je ne sais pas si on l'appelle revue générale ou autre, mais en tout cas, on pourra, si vous le souhaitez, pour porter à votre connaissance ce que nous faisons. Mais pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'acquisition boulimique, il s'agit de lutter contre, finalement, celles et ceux qui s'enrichissent au profit des investissements réalisés par les collectivités, métropoles et villes sur notre territoire, et avoir ces réserves foncières. Souvent, ce sont effectivement, c'est une forme de stratégie du pied dans la porte. On va acheter une parcelle pour empêcher que les parcelles se réorganisent et qu'un seul propriétaire ou quelques-uns se mettent d'accord pour arriver à des charges foncières aujourd'hui qui atteignent près de 2000 euros du mètre carré. Et Madame la vice-présidente en charge de l'urbanisme le sait parfaitement sur notre territoire. Donc ça participe de cela, comme ça participe aussi de la possibilité de pouvoir continuer à construire un certain nombre d'équipements. Et moi, je souhaiterais qu'on aille encore parfois plus vite sur un certain nombre d'acquisitions.
en foncière pour livrer les équipements nécessaires. Voilà, merci à chacune et à chacun pour votre contribution à nos échanges et je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé, je vous en remercie. On passe au rapport 182, garantie d'emprunt d'Aliad Habitat pour une acquisition en VEFA. Monsieur Jonathan Bocquet rapporte, je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Rapport 183, garantie d'emprunt Aliad, toujours acquisition en VEFA, 11 logements. Monsieur Bocquet rapporte, je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Approuvé. Le rapport 184, la garantie d'emprunt pour Aliad Habitat. Cette fois-ci, c'est une réhabilitation de 53 logements. Monsieur Bocquet rapporte, je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Approuvé. Le rapport 187, une garantie d'emprunt pour la foncière d'Habitat et Humanisme. Je n'ai pas de demande d'intervention. Monsieur Bocquet rapporte, il y a deux déports, Antoine Collia, et votre serviteur. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Approuvé. Alors, on arrive sur une série d'acquisitions. Madame la première adjointe souhaitait introduire ces délibérations et ensuite j'ai une demande d'intervention groupe socialiste groupé avec Génération. Madame Thouvenot. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, nous avons déjà un petit peu abordé le sujet. Nous ne sommes pas dans une logique de boulimie. En fait, nous avons une vraie stratégie foncière qui vient croiser à la fois des enjeux géographiques sur le territoire de la ville et aussi des secteurs de politique publique pour nous permettre de construire les équipements de demain. Nos réserves foncières, trois objectifs. D'une part, acheter des fonciers qui, demain, serviront à installer des équipements publics, crèches, écoles, terrains de sport, jardins. Et c'est notamment le cas pour le bien qu'on achète rue Nicolas Garnier ou sur le site de la Fessine. Le deuxième objectif, et le maire le rappelait à l'instant, c'est bien de maîtriser l'évolution de la ville en bloquant des transactions qui, demain, pourraient faire l'objet d'une spéculation par des promoteurs ou par des marchands de biens et qui viendraient finalement bloquer toute évolution de la ville à cet endroit-là. C'est créer une place, une rue, un parc. Et c'est ici notamment le cas pour les biens de la rue Marcel Samba et de la rue de Venise, Madame Menaïm, que vous souligniez dans votre intervention précédente. Rue Marcel Samba, en effet, est une parcelle située au cœur de ce qu'on appelle le projet urbain partenarial des Buères, dans lequel devraient venir voir le jour un certain nombre de logements, mais aussi agrandir la place. Et puis rue de Venise, vous le savez, nous l'avions déjà évoqué lors du conseil municipal relatif, où nous avions abordé la délibération relative à la modification numéro 3 du plan local de l'urbanisme. À cet endroit-là, il y aura un périmètre d'attente de projet. Et pour éviter, là encore, des achats par des marchands de biens, nous achetons ces biens-là, nous les mettons à disposition d'associations ou d'acteurs importants pour nous, comme l'Assemblée citoyenne, puisque l'Assemblée citoyenne est située au 24 rue de Venise. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est de produire des logements abordables. Nous n'avons pas ici de délibération, puisqu'elles sont plutôt délibérées en Conseil de métropole, et je salue Béatrice Vessillier, avec laquelle nous discutons souvent sur l'opportunité, la pertinence de préempter tel ou tel bien. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est bien sûr continuer à produire du logement social, mais aussi éviter les divisions par les marchands de biens qui, aujourd'hui, s'en donnent malheureusement un peu à cœur joie sur la métropole. Voilà, c'est les objectifs de cette politique publique où le foncier est aujourd'hui toujours plus monétarisé, sa valeur est financiarisée et finalement conditionne la manière dont on utilise nos sols aujourd'hui dans la ville. Derrière ces délibérations, c'est notre rapport à la terre, au terrain et au territoire qui se joue. Merci Madame la Première Adjointe. J'ai donc une demande d'intervention groupée pour le groupe Génération et pour le groupe Socialiste et Citoyenne, Citoyen, Villeurbanne, Villeurbanne. Monsieur Antoine Pelcé, la parole est à vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est une citation souvent attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. En réalité, son origine est plus ancienne et plus lointaine, ce qui ne fait que renforcer ce que ces mots nous disent en cette fin d'après-midi. Premièrement, la terre sur laquelle Villeurbanne se construit ne nous appartient pas.
Notre ville n'est pas une immense propriété privée que nous nous passerions de mère en fils et de père en fille. Elle est au contraire un bien commun et nous devons décider collectivement ce que nous en faisons. Deuxièmement, nous savons aujourd'hui que le coût du foncier est inversement proportionnel à la fertilité du sol. Entendez-vous cela ? Mesdames et messieurs, dans notre société, aujourd'hui, plus la terre est morte, moins la terre peut nous nourrir, plus elle est chère. Les terres agricoles se vendent à quelques euros du mètre carré, quand à Villeurbanne, elles atteignent ces derniers mois entre 1 300 et 1 600 euros du mètre carré. Notre terre est un bien commun et nous devons collectivement en prendre soin. Alors oui, la ville de Villeurbanne doit utiliser les outils à sa disposition pour reprendre le contrôle du foncier et modestement faire des réserves qui serviront demain à construire des écoles, des parcs, des crèches, des bibliothèques, des lieux de solidarité, du logement abordable, des commerces de proximité, bref, pour faire la ville et contrer la spéculation foncière. Mais en matière de maîtrise du foncier, nous n'avons pas encore tout essayé. L'encadrement du loyer, nous en avons déjà parlé dans cette assemblée, constitue une première étape. Mais cela prendra du temps pour que ce dispositif ait un effet sur le prix du foncier. Les loyers maximums attendus notamment par les investisseurs vont baisser. Nous devons en faire la publicité et accompagner les locataires dans les démarches. Mais nous devons aller plus loin. Après avoir mis en place l'encadrement des loyers, il nous faut réfléchir maintenant à l'encadrement du foncier. Certains affirmeront que c'est la rareté du foncier qui engendre la hausse des prix et que libérer des droits à bâtir ferait mécaniquement baisser les charges foncières. Mais le marché du foncier n'est pas un marché comme les autres, il ne répond pas à l'offre de la loi et de la demande. Sur la métropole de Lyon, alors que deux fois plus de fonciers se libéraient dans les 15 dernières années, les prix des logements ont eux aussi doublé en raison des mécanismes de spéculation et de financiarisation de la ville. Et si nous allions vers une nouvelle loi qui nous permettrait de limiter son prix à l'image de ce qui se fait sur les loyers ? Certains pourraient opposer des risques d'inconstitutionnalité au nom de l'atteinte au droit de propriété, mais le droit à la dignité est lui aussi un droit constitutionnel. Je le redis, le foncier ne peut pas être un objet de marché dont l'unique objectif serait d'optimiser un rendement financier. Il nous faut construire la ville avec comme horizon un projet politique légitimé par des scrutins démocratiques et non à travers des objectifs financiers. L'argent en jeu est bien un moyen et non une fin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, donc, je vais mettre chaque rapport successivement aux voix. Donc, le premier rapport, c'est le rapport 206, l'acquisition amiable d'une propriété située au 19B. Alors, c'est là où vous dites que le 19B n'existe pas, c'est ça ou... Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est une autre. Le 9B, pardon. Donc, là, 19B rue Marcel Samba. Y a-t-il des abstentions ? Monsieur Chabrier, avec votre groupe ou pas ? Non, c'est pour éviter de donner à voir que le groupe se scindrait en deux sur une position de vote. Moi, je veux pas être... Très bien, parfait. Ensuite, on passe au rapport... Donc, abstention. Y a-t-il des votes contre ? Donc, le rapport 206 est approuvé. Pour le rapport 210, acquisition du 5-7 rue Rouget de Lille. Y a-t-il des abstentions ? Oui, on va considérer que... D'accord, très bien. Des votes contre ? Approuvé. Pour le rapport 208, c'est un immeuble situé 27 bis rue du docteur Ollier. Y a-t-il des abstentions ? Vote contre ? Approuvé. Le rapport 207, cette fois-ci, on est 22 rue de Venise. Abstention, je suppose, pareil. Y a-t-il des votes contre ? Approuvé. Le 209, l'acquisition d'une parcelle située 47 rue Nicolas Garnier. Y a-t-il des abstentions ? Vote contre. Approuvé. Et enfin, le rapport 215 pour une parcelle située 23 rue Victor Bache. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'à la prochaine délibération, vous savez que chaque année, on a une délibération un peu cadre qui fait le bilan de l'ensemble des acquisitions. Peut-être qu'on demandera à ce que le rapporteur, la personne en charge de rapporter le dossier, fasse une présentation un peu plus détaillée et que ça soit à cette occasion qu'on puisse présenter les éléments liés à la stratégie foncière. On reprend l'ordre du jour à la 211. C'est une demande d'instauration d'un périmètre de... Déclaration d'urbanisme renforcée, droit de préemption urbain renforcé pour la parcelle BN81. C'est Madame Touvenot qui rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 174, participation de la ville au financement du logement social pour Aliad Habitat, rue Alfred de Musset. Madame Melouka Hadjmimoun rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention.
Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Approuvé. Le rapport 198, l'approbation du compte-rendu annuel de la Convention de revitalisation artisanale et commerciale. C'est Madame Caroline Roger-Sépi qui rapporte. J'ai plusieurs situations de déport dont je vais vous faire lecture. Antoine Pelcé, Alain Brissard, Paul Campi, Mathieu Garabédian, Agnès Touvenot, Melouka Hajmimoun. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Approuvé. Opération de rénovation et d'efficacité énergétique des groupes scolaires Jean Moulin et Léon Jouot. C'est M. Antoine Collia qui rapporte. J'ai une demande d'intervention du groupe communiste et insoumis. Et c'est Mme Butet qui intervient. Juste, M. Collia, vous n'intervenez pas avant, vous répondrez après ? Je veux bien répondre. Je veux bien intervenir avant. Vous intervenez avant. Alors allez-y, M. Collia. Oui, je voulais quand même expliquer le contenu de cette délibération. Donc, suite à l'adhésion de la SPL Osée, de la ville à la SPL Osée en 2021, SPL d'efficacité énergétique, la ville a signé le 8 avril dernier avec la SPL un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de deux groupes scolaires et de deux gymnases. Donc ces deux groupes scolaires et ces deux gymnases sont Jean Moulin et Léon Jouot. Ces travaux visent à répondre aux objectifs en matière de transition écologique et énergétique de la municipalité, avec des objectifs de diminution de consommation énergétique. L'objectif visé pour Jean Moulin, c'est 48% de baisse de consommation, et pour 39% pour Jean Moulin et 48% pour Léon Jouot. L'opération sera conduite sous la forme d'un marché global de performance jusqu'en 2033. L'investissement de ces deux opérations totalise 11 545 000 euros et la répartition de cet investissement sera répartie sur 6 exercices. Merci. Merci. Non, attendez, 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a eu des modifications au dernier moment. Alors, que je comprenne bien, le groupe communiste et insoumis, vous faites une intervention simplement sur la 81. On est oui, sur la 181, c'est oui. ça ? Oui, tout à fait. Et après, les autres, pour l'intervention de Mme Anna Voisard et de M. Collia, vous la ferez sur la 185 ? C'est la première, c'est la Non, sur la 181. Et donc, sur les deux. Donc, vous, c'est juste sur la 185 ? Juste sur la 185. Merci, M. le maire. Allez-y. Monsieur le maire, monsieur le rapporteur, chers collègues, ce soir, nous allons décider la rénovation de deux groupes scolaires et gymnases pour un montant total, vous venez de le dire, de 11,5 millions d'euros. C'est une somme importante, mais nous pensons que cette dépense est justifiée. En effet, la rénovation énergétique des bâtiments est nécessaire. Cela n'est plus à démontrer. Pour des raisons économiques, avec ces travaux, on espère une diminution de la consommation d'énergie de l'ordre de 40 à 50%, vous venez de nous le rappeler, et c'est considérable. Le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, pesant dramatiquement sur les budgets des Français, mais aussi sur le budget des collectivités. On ne peut plus dépenser autant d'énergie aujourd'hui que par le passé. J'en veux pour preuve l'exemple du lycée Faïs. Effectivement, j'ai assisté le mois dernier au conseil d'administration du lycée où nous ont été présentées les augmentations pharaoniques des dépenses d'énergie. Cette année, à consommation équivalente, l'établissement va débourser 440 000 euros de gaz et d'électricité contre 170 000 euros en temps normal. L'électricité avait déjà augmenté du fait de la reprise économique post-Covid, tandis que la facture de gaz a triplé depuis la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que l'aspect économique. Bien entendu, baisser la consommation d'énergie est essentiel pour notre environnement. Enfin, ces travaux permettront d'assurer de meilleures conditions d'études et pour les enfants et de meilleures conditions de travail pour les agents. Des bâtiments mieux isolés sont des bâtiments que nous avons moins besoin de chauffer l'hiver, mais aussi des bâtiments plus frais l'été. Ça n'aura échappé à personne. Il a fait chaud ces derniers temps, très chaud même, puisque le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré en France. Vous connaissez l'adage « En avril, ne te découvre pas d'un fil.
en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà quelque chose que Bernard Arnault applique à la lettre. D'après le journal Alternative économique, tandis que nous endurions des vagues de chaleur inédites, l'homme le plus riche de France faisait un usage intensif de son avion privé, au point qu'en un mois, le mois de mai, avec son seul avion, ce dernier a brûlé l'équivalent de 27 années de consommation d'énergie pour un Français moyen. Et ça, c'est juste avec son avion. On ne parle pas de sa clim, de sa piscine, etc. Évidemment, M. Arnault n'est pas responsable à lui tout seul du réchauffement climatique. Simplement, cette anecdote vise à illustrer ceci. Oui, il est nécessaire que les Français et les services publics fassent des efforts pour réduire leur empreinte sur le climat, mais cela ne pourra être efficace tant que nous ne battrons pas, activement l'égoïsme des plus puissants. Merci, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, on a donc un autre rapport, le rapport 181 sur la construction d'un groupe scolaire. Je referai voter ensuite le 185 et le 181. Madame Sonia Tron, vous souhaitez dire un mot sur le projet de groupe scolaire ou vous répondrez d'accord, très bien. Donc, cette fois-ci, j'ai une demande d'intervention groupée pour le groupe socialiste, Cercle radical et place publique. On est d'accord ? C'est Madame Anna Voisard. J'ai oublié personne, c'est clair ? La prochaine fois, je redis à l'ensemble des groupes, jeudi, dernier cara pour donner les consignes, parce qu'après, ce n'est pas facile pour suivre. Madame Anna Voisard. Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, le conseil municipal doit se prononcer sur deux rapports importants en matière d'éducation à Villeurbanne. D'une part, la rénovation énergétique de deux groupes scolaires et leur gymnase et la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le cadre de la ZAC Grand Clément. Ces deux opérations répondent à leur manière à la volonté de la ville d'améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes villeurbannais et corrélativement les conditions de travail du personnel éducatif dans un souci d'exemplarité écologique des équipements municipaux. On imagine bien ce qu'un nouveau groupe scolaire peut apporter au quartier Grand Clément, engagé dans une transformation de grande ampleur pour accompagner la croissance démographique du secteur et de soulager les écoles avoisinantes. Ce nouveau groupe scolaire de 20 classes viendra confirmer le quartier Grand Clément comme l'une des centralités majeures de Villeurbanne, déjà portée par le renforcement global de l'offre de logements, de services et de transports attendu à l'horizon 2030. Ce nouveau équipement se voudra emblématique du renouveau du quartier Grand Clément, mais également exemplaire sur le plan environnemental, architectural et fonctionnel. Les écoles Jean Moulin et Léon Jouhaud, toutes les deux construites dans les années 1960, prendront elles aussi la voie de l'exemplarité écologique en faisant l'objet d'une profonde rénovation thermique conduite sous la maîtrise d'ouvrages dosés, une société publique locale régionale à laquelle la ville de Villeurbanne a adhéré l'an passé, adhésion alors saluée par la majorité municipale et votée à l'unanimité. Les travaux engagés permettront une réduction de 40 à 50% de la consommation énergétique des écoles, de leurs gymnases et bien sûr des gains significatifs en termes de confort d'été comme d'hiver pour les élèves et les personnels éducatifs. Notons ici que ces objectifs sont contractuels et valent bien obligation de résultat pour les entreprises, une sécurité juridique que nous tenons aussi à saluer. Les groupes Cercle Radical et Place Publique et Socialistes et Citoyens Villeurbannais voteront donc en faveur de ces deux rapports. Je vous remercie. Merci. Donc, j'ai maintenant une demande d'intervention pour le groupe Les Écologistes, mais simplement sur la délib 181, puisque sur la première, M. Collier rapportait sur la 185, et là, il intervient au nom de son groupe. M. Collier. C'est ça. Merci, M. le maire. La construction de la ZAC Grand Clément s'apparente quasiment à la construction d'une ville dans la ville.
Dans 3 ans, les premiers appartements seront livrés et l'école ouvrira ses portes en septembre 2025. Le groupe des écologistes, qui a souvent regretté le retard accumulé en matière d'équipement scolaire, se félicite que la ville ait décidé de se doter d'un nouvel établissement en adéquation avec les attentes actuelles sur les moyens pédagogiques, mais aussi en matière environnementale, pour assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions. Cet équipement déclinera le cahier des charges établi depuis cette mandature par l'adjointe à l'éducation et soutenu par l'adjointe à la transition écologique, à savoir l'anticipation d'un maillage territorial d'équipements publics de qualité. Ce groupe scolaire disposera donc d'une capacité d'accueil volontairement bornée à 20 classes, de cours végétalisés et de plein pied, d'une bibliothèque spacieuse et centrale, d'une salle de restauration intégrant le passage à l'inox dès sa conception et d'un parvis connecté à l'espace public. Dans une logique de complémentarité évidente, un équipement sportif sera programmé dans un périmètre immédiat pour répondre à la pratique scolaire et de loisirs, mais aussi apporter des mètres carrés supplémentaires au club. Comme pour la rénovation énergétique des groupes scolaires Jean Moulin et Léon Jouot, la ville a fait le choix d'opter pour un marché public global de performance qui lie le maître d'œuvre, le constructeur et l'exploitant mainteneur. Un tel choix a comme avantage d'inciter fortement l'opérateur à réaliser des travaux et des prestations de qualité pour atteindre les objectifs de performance attendus. Une attention particulière doit désormais être portée sur le confort d'été afin d'assurer de bonnes conditions de travail aux enfants et personnels dès le printemps et ce jusqu'en automne. Il nous faut construire des bâtiments qui permettront de vivre avec un climat plus chaud et de traverser les périodes de canicule. Ces équipements scolaires et sportifs pourront par ailleurs être mis à disposition de nos partenaires associatifs lors des vacances ou des week-ends pour des activités d'accueil de loisirs attendues et nécessaires sur ce grand quartier Grand Clément. L'avenir passera par la mutualisation des équipements publics en augmentant leur taux d'occupation. C'est dès la conception qu'il faut penser ces usages. Je vous remercie. Merci. Donc, je mets le rapport 185 aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Il est approuvé. Je mets ensuite le rapport 181 aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Approuvé. On a une série de rapports sans demande d'intervention. Je commence par le rapport 216, le fonctionnement et les moyens affectés au groupe d'élus constitué au sein du conseil municipal. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 199, révision du cadre du personnel. Monsieur Gluck rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 196, la mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité. Monsieur Gluck rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 192, le recrutement de guides conférenciers pour les besoins du RIS. Monsieur Stéphane Friou rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 204, la rémunération des animateurs, animatrices et coordinateurs, coordinatrices pour le périscolaire. Madame Sonia Tron rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 180, la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées pour l'année 21-22. Madame Tron rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Monsieur le maire ? Oui, pardon. Julien Ravello, juste une explication de vote pour notre groupe très, très, très rapide, parce qu'on n'avait pas effectivement demandé d'intervention. Je vous l'accorde, monsieur Ravello, puisque vous me l'avez demandé. Merci, allez-y. C'est gentil. Juste pour dire que, comme l'année dernière et pour les mêmes raisons, nous allons nous abstenir sur ce rapport. L'État et les collectivités locales n'ont pas financé les écoles qui concurrencent le service public. Les écoles privées participent de fait au contournement des dispositifs pour lutter contre la ségrégation socio-spatiale et donc la renforcent. On l'avait déjà dit l'année dernière, l'argent public pour l'école publique et l'argent privé pour l'école privée. Je vous remercie. Merci. Donc nous avons une explication de vote. Je mets ce rapport aux voix. Donc y a-t-il des abstentions ? Je laisse le service de l'Assemblée. Regarde, Madame Rondepierre, c'est bon ? Très bien. Des votes contre ?
Bien, du coup, on va faire voter pour. C'est bon pour le service des assemblées. Merci. On passe au rapport 219. Donc on a deux rapports qui se suivent et qui se tiennent. On a le premier rapport de 219, c'est la délégation de services publics pour la gestion de la crèche Jean-Jacques Rousseau. C'est la présentation du rapport du délégataire. Madame Martineau rapporte, je n'ai pas de demande d'intervention sur ce rapport-là. Je demande au groupe, est-ce que je le fais voter celui-ci et ensuite on fera voter le rapport après sur le renouvellement. On est d'accord pour tout le monde? Pardon. Non, je disais qu'a priori, c'est une communication sur celui-ci, il n'y a pas de vote. Je vous remercie de votre vigilance, merci. Donc, cette communication, considérant qu'elle a été faite notamment en commission, on passe au rapport 176 sur le renouvellement de cette délégation. J'ai plusieurs demandes d'intervention et on commence par le groupe Génération avec M. Maxime Jourdan. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, il y a tout juste un an, nous avions fait part de l'opposition du groupe Génération au choix proposé d'un renouvellement de la DSP de la crèche Jean-Jacques Rousseau. Nos arguments portaient principalement sur les dangers que représentait pour nous le fait de donner à cette activité un caractère marchand et de l'inscrire dans une dynamique de recherche de profit. Recherche de profit dont le principal levier portait sur la politique de ressources humaines et le taux de remplissage. À l'époque, notre avis n'avait pas été partagé par une majorité de nos collègues, ce qui a conduit aujourd'hui à désigner un futur délégataire pour cet équipement. Notre avis n'ayant pas évolué sur ce mode de gestion, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Je vous remercie. Pour le Cercle Radical et Place Publique, M. Jonathan Bocquet. Décidément, ce soir, c'est pas... les micros ne veulent pas que je parle. Très rapidement, en fait, on se satisfait de la démarche collective qu'il y a eu autour des critères du marché, du travail des services qui a permis d'essayer de trouver la quadrature du cercle. Mais évidemment, quand on pose tout un tas de critères, vraiment la question du projet pédagogique et la question RH ont été très largement pondérées en équilibre de la question financière. Voilà, c'est effectivement le mieux-disant et on ne peut pas avoir à la fois le moins cher, celui qui a la meilleure démarche environnementale, celui qui a la meilleure démarche RH et le meilleur projet pédagogique. Et pourtant, on n'est pas loin de ça quand même quand on voit celui qui sort du marché, donc on peut s'en réjouir. Merci. Pour le groupe communiste et républicain, Monsieur Mariano Béron-Pérez. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Madame la rapporteure, chers collègues, il y a un an, le conseil municipal décidait de prolonger la délégation de services publics pour la crèche Jean-Jacques Rousseau. Le groupe communiste avait voté contre, car nous estimions que l'expérience n'avait pas réussi à démontrer la supériorité de la gestion privée par rapport à une gestion municipale directe. Les défenseurs de la gestion privée avaient alors indiqué que l'offre pouvait fort bien être remportée par une structure de l'économie sociale et solidaire. Nous avions de sérieux doutes à ce sujet, ils se sont confirmés. Comme on s'y attendait, c'est donc une entreprise privée à qui nous allons de nouveau confier cet établissement. Nous n'avons rien de particulier contre la société Léo et Léa, qui gère déjà la crèche Jean-Jacques Rousseau. Simplement, rien n'indique qu'elle saura surmonter les problèmes auxquels elle est confrontée. En effet, l'entreprise ne parvient pas à conserver ses employés. Ce n'est pas propre à Léa et Léo, c'est un problème général dans le secteur de la petite enfance. On manque de professionnels diplômés, du fait de refus de la région d'ouvrir des formations en nombre suffisant. Les salaires sont faibles et les conditions de travail difficiles. Néanmoins, les faits sont là. Contrairement à ce qui a pu être dit, le privé ne parvient pas plus à recruter que le public. Tout au long de la première délégation, la société Léa et Léo n'a pas été en mesure de recruter et de conserver les personnels au niveau d'exigence du marché. C'est la raison pour laquelle les exigences ont été revues à la baisse pour ce nouveau marché. Moins d'employés, moins qualifiés, moins expérimentés. Le seul progrès, si l'on peut dire, dans ce nouveau marché, c'est que la compensation financière demandée à la ville est moitié moins élevée qu'au cours du précédent marché. C'est d'ailleurs ce qui a été déterminant
dans le choix du délégataire. Et c'est logique. Les règles du marché favorisent les entreprises marchandes. L'année dernière, on nous a dit que les économies réalisées permettraient de mettre l'accent sur les ressources humaines et sur l'amélioration de l'attractivité de notre collectivité pour les personnels de la petite enfance. Espérons que les nouvelles économies permises par ce marché permettront effectivement de le faire. Pour notre part, le groupe communiste prendra acte du rapport d'activité de l'année 2021 et en toute cohérence, nous nous abstiendrons sur le choix du délégataire puisqu'aucune de nos réserves n'a été levée. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est au groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble, Monsieur Gaëtan Constant. Monsieur le maire, chers collègues Villeurbannais et Villeurbannaises, il y a 364 jours, notre groupe votait contre le renouvellement de la délégation de service public vers le privé. Comme chacun et chacune le sait, la délibération a malgré tout été votée favorablement et nous voici, une année plus tard, à devoir voter pour choisir avec vous le délégataire privé qui gérera la crèche Jean-Jacques Rousseau. La vie de notre groupe n'a pas changé. Nous sommes toujours contre le principe de déléguer au privé les services publics, et ce, pour les mêmes raisons qu'il y a un an. Pour rappel, nous refusons encore les profits privés faits avec de l'argent public et des salaires plus faibles des salariés que des fonctionnaires. Comme nous l'avons dit dans notre intervention l'année dernière, nous ne voyons toujours pas la valeur ajoutée qu'apporterait un délégateur privé. C'est même exactement l'inverse. C'est donc l'entreprise Léa et Léo qui a finalement été retenue pour 5 nouvelles années. En participant aux travaux de sélection du délégataire tout au long de l'année, nous avons bien constaté que mettre un délégataire de l'économie sociale et solidaire à la place d'un délégataire privé est très difficile. C'est tout simplement parce qu'avec les règles de marché public aujourd'hui, les gros groupes privés, Léa et Léo comptent un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 millions d'euros, ont bien plus de chances d'être sélectionnés. Le choix est fait sur la base d'un cahier des charges et des critères objectifs par les services. Et personne ne peut donc garantir quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on nous avait dit l'année dernière. Nous continuerons à être attentifs au bilan produit. Dans quelques années, quand la question de passer en régie publique se reposera, nous souhaitons qu'il serve à remettre en question la délégation au privé. Néanmoins, et comme je disais, le vote a été fait et nous ne pourrons pas revenir dessus. Nous n'allons pas voter contre, ce serait mettre en difficulté les services de la mairie et les usagers de la crèche. Même si nous sommes contre les délégations de services publics, nous ne voulons pas pour autant que le service public des Villeurbannais et Villeurbannaises souffre et soit indisponible, d'autant plus que la situation dans les crèches municipales, d'une manière générale, est déjà compliquée, avec un manque de personnel très inquiétant. Mais vous vous en doutez, nous ne voulons pas pour autant voter pour cette délibération, en cohérence avec la position que j'ai rappelée. Nous allons donc nous abstenir. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe socialiste, citoyenne, citoyen, Villeurbannaise, Villeurbannais, Monsieur Yann Krombeck. Merci, Monsieur le maire. Pardon. Rapidement, par rapport à ce débat, on a eu le débat il y a un an dans un gymnase, donc l'ambiance était surchauffée, voire survoltée. On est un an plus tard. Ce qu'a dit Jonathan Bocquet, mais quelque part qui se retrouve aussi dans les propos de Gaëtan Constant, c'est de dire que ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même un certain nombre de critères et j'invite tous ceux qui veulent rentrer dans le fond du dossier à aller regarder les critères qui ont été retenus, les éléments de pondération. Et moi, je en retiendrai un, c'est-à-dire la question du projet social lié avec le projet pédagogique, les questions d'accueil de l'ensemble des publics, c'est-à-dire une volonté inclusive, quels que soient les enfants, la sensibilisation sur l'égalité garçons-filles. Voilà, donc les choses ont été travaillées. Après, la question de la DSP pour notre groupe, délégation de services au public, c'est pas une privatisation, c'est-à-dire que c'est un montage technique et juridique qui fait qu'on vient rendre un service au public sur Villeurbanne. Et quand on regarde la situation, la demande sur le territoire villeurbannais, force est de constater qu'il y a des manques. Donc, par pragmatisme, on l'avait déjà dit l'année dernière, on le redit cette année, c'est une solution qui permet de rendre un service. Et permettez-moi de revenir 30 secondes
secondes sur le rapport précédent, même si c'est une communication, mais c'est quand même le bilan de ce qui a été fait et qui, quelque part, nous permet d'être relativement confiants et d'être volontaristes sur le dossier. 105 familles ont été concernées par cet accueil, donc c'est pas rien, et y compris par rapport à ceux qui évoquaient une certaine forme de scepticisme, le taux d'accueil est supérieur dans la réalité à ce qui avait été prévu initialement. C'est-à-dire qu'initialement, on avait un taux de 81%, là, on est à un taux de 85,56%. Donc, c'est pas rien. Et je ne vais pas compter le nombre d'heures qui ont été prestées, mais l'élément est quand même de dire qu'il y a un service au Villeurbanne. La question du recrutement, Mariano l'a dit, enfin, c'est pas une question de Léa et Léo. C'est une question, j'allais dire, structurelle à l'ensemble. Donc, il ne faut pas faire porter cet élément de difficulté de recrutement au seul secteur privé. C'est un élément national, il se retrouve régionalement. Un certain nombre de groupes, y compris à la région, ont interpellé l'exécutif régional pour qu'il puisse mener une politique active sur le sujet. Donc ce n'est pas Léa et Léo. Et ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent soulever question, c'est-à-dire la question de la labellisation écolo-crèche qui a été suspendue, mais qui a été suspendue aussi parce qu'on est en lecture d'un bilan 2021 qui a aussi été impacté par la crise sanitaire. Voilà. Donc moi, au nom de mon groupe, je pense que nous allons voter avec confiance sur ces deux rapports. Il y avait, y compris pour ceux qui s'interrogeraient, parce que nous, on a lu les rapports, mais ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui nous écoutent. Il y avait 7 candidats sur la ligne de départ pour être délégataire. Il y en a 3 qui ont été retenus. Ils sont tous passés au tamis des critères et qui sont des critères de qualité. Voilà, je ne peux pas laisser penser que les critères sont des critères subjectifs. Il y a une objectivité dans la pondération et des éléments. Et donc, c'est pour ça que notre groupe, conformément à ce qu'il avait fait l'année dernière, votera pour ce rapport. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe Les Écologistes. Non, d'accord. C'est pour ça qu'il y a marqué intervenant non communiqué. Bon, donc il n'y a pas de demande d'intervention. Très bien. Je vous remercie. J'ai laissé un peu plus de temps à Yann Krombeck, puisqu'il avait la lourde tâche de remplacer au pied levé aussi Christina Martineau dans l'expression qui ne peut pas être parmi nous. Et aujourd'hui, pour des raisons personnelles, ça aurait été quand même utile qu'elle puisse présenter la qualité du travail qui a été mené, et on le voit dans les prises de position finalement pragmatiques et, si je peux me permettre, raisonnées qui viennent d'être évoquées. Je crois que ce travail de transparence permet à chacune et à chacun d'exprimer quel est son point de vue, mais en même temps de faire en sorte que notre ville puisse continuer à offrir un certain nombre de services. Et j'ai bien compris que lors du renouvellement, de nouveau, nous aurons un enjeu politique. Il n'aura échappé à personne que ce temps-là dépasse le temps de notre mandat, puisqu'il s'agit de 5 ans et qu'il nous en reste 4. Donc on verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Au-delà de ça, une fois que j'ai remercié la qualité du travail côté service et côté élu, parce que je crois qu'il y a eu un vrai échange qui s'est tenu, il n'empêche que nous avons devant nous un défi colossal qui est celui de la prise en charge de la petite enfance et des métiers de la petite enfance. Et je crois qu'on a toutes et tous intérêt à se mettre au travail, à trouver des solutions pour les parents, à essayer de mixer un certain nombre de situations. Et moi, je ne sais pas si c'est la DSP qui est la bonne solution. Visiblement, non. Ils ont les mêmes difficultés que nous. En tout cas, ça demande une mobilisation des collectivités publiques dans toutes leurs responsabilités et quel que soit le niveau, région, métropole et ville de Villeurbanne. Et je suis sûr que là-dessus, l'ensemble des groupes politiques se mobilisera aux côtés de son adjointe et de nos services, parce que l'enjeu, c'est de retrouver une situation un peu plus normalisée qu'aujourd'hui en matière de petite enfance dans notre ville, mais à l'échelle de notre métropole et de notre pays globalement. Je vais mettre ce... Oui, pardon, Monsieur Chabrier, allez-y. Je ne veux pas faire d'intervention, mais je veux simplement faire une explication de vote. Ce sujet, alors l'année dernière, nous avions servi de supplétif. Hein. Ce sujet semble troubler à nouveau la majorité, puisque visiblement,
les choses ne sont pas claires. Donc, nous vous laissons face à face avec vos différents groupes. Nous ne participerons pas au vote sur ce sujet. Ça ne, je n'obère pas du résultat final. Mais c'est par principe, compte tenu de ce qui s'exprime au sein de la majorité, je préfère vous laisser régler cette question avec les différents groupes qui la composent. Voilà. Très bien, mais vous l'avez noté, vous savez compter, cette position ne mettra pas en difficulté la majorité sur ce dossier-là. Bien, donc je vais mettre ce rapport aux voix avec un premier groupe qui ne prend pas part au vote. On est d'accord, hein, vous n'êtes pas en abstention, c'est ne prend pas part au vote. Ensuite, y a-t-il des abstentions ? C'est bon pour les services. Y a-t-il des votes contre ? Et donc pour les votes pour ? Bien, le rapport 176 est approuvé. Je vous en remercie. On passe au rapport 171, qui est la modification du règlement du fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Rapport 173 sur la convention de portage temporaire de lot de copropriété sur la résidence Saint-André à Villeurbanne. Madame Touvenot rapporte, elle va en dire un mot et ensuite j'ai deux demandes d'intervention. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de la copropriété Saint-André. C'est l'une des copropriétés les plus importantes de l'agglomération lyonnaise avec 640 logements et près de 2200 habitants sur une surface de 6,4 hectares. Vous le savez, cette copropriété est dégradée, elle fait l'objet donc d'un plan de sauvegarde, une dégradation du bâti liée à des défauts d'entretien et des charges non payées par les copropriétaires, la plupart très modestes. Et donc c'est sur ce constat partagé par l'État, la métropole et la ville qu'il a été décidé en 2013 de mettre la copropriété dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Et cette procédure nous a permis d'aboutir en janvier 2022 à une maquette financière extrêmement ambitieuse. Près de 49 millions d'euros sera consacré à la réhabilitation de cette copropriété, dont 30 millions sur la partie logement. La délibération que nous vous proposons ce soir doit permettre de financer une convention de portage de lot. Cette convention de portage de lot sera destinée aux copropriétaires qui, malgré les aides financières publiques, donc de l'État, de la métropole et de la ville de Villeurbanne, ne pourront pas financer le reste à charge des travaux. Et donc, c'est pour permettre quand même que ces travaux se réalisent que nous proposerons, dans un accompagnement coûts humains, les copropriétaires qui ne seront pas en capacité de payer les travaux. C'est le bailleur social qui se substituera aux propriétaires, à charge pour le bailleur social de reloger les propriétaires ou de les maintenir dans le lieu en tant que locataire selon les volontés de la personne concernée. Voilà, je répondrai aux questions s'il y en a. Merci. J'ai une demande d'intervention pour le groupe socialiste, Madame Laura Gandolfi. Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, la résidence Saint-André fait l'objet d'une attention particulière de la part des services municipaux, de ceux de la métropole et de l'État depuis plus d'une décennie et fait par ailleurs l'objet d'un plan de sauvegarde depuis 2013. La Fondation Abbé Pierre identifie près de 518 000 ménages, propriétaires et occupants un logement dans une copropriété en difficulté et presque autant de locataires en situation d'impayé. La situation va s'aggraver avec une inflation galopante qui augmente la part contrainte dans le budget des ménages. Les plus fragiles d'entre eux feront prioritairement l'impasse sur les loyers et charges de copropriété. Et cette situation doit nous alerter dès maintenant au risque de voir se multiplier les résidences en difficulté ainsi que leurs habitants. La résidence Saint-André fait partie de ces résidences très fragilisées qui nécessitent une intervention des pouvoirs publics au risque de voir s'y installer durablement le mal-logement. Contrairement à la tendance actuelle de démolir partiellement ou totalement des immeubles, nous avons fait le choix de conserver l'intégralité du bâti.
Derrière le béton, il y a bien les histoires, les souvenirs de nombreuses familles qui justifient que le bâtiment soit préservé. Par ces acquisitions, nous participerons à la transformation de cet ensemble, transformation qui changera durablement son image et l'intégrera pleinement au renouvellement urbain en cours dans les quartiers avoisinants. Nous porterons également une attention particulière à l'attractivité commerciale, au maintien et au développement de services de proximité. Nous nous devions d'agir, et c'est l'objet de cette délibération que de participer au portage de la résidence, tel qu'envisagé par EMH et la Caisse des dépôts. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pour le groupe Les Écologistes, Madame Béatrice Vessier. Monsieur le maire, chers collègues, la résidence Saint-André fait partie de ces promesses des années 60 d'un logement sain avec eau courante, gaz à tous les étages, salle de bain, toilettes, commerce et services en bas d'immeuble, tout cela pour un prix raisonnable et accessible. Quelques décennies plus tard, la promesse n'est plus tenue, les bâtiments n'ont pas bien vieilli, la gouvernance de la copropriété est bien compliquée avec 640 logements. Les copropriétaires, qui sont pour la plupart des ménages modestes, voire très modestes, n'ont pas eu les moyens d'entretenir leurs biens. C'est pourquoi cette copropriété fait l'objet d'un plan de sauvegarde qui va permettre de financer un programme ambition de rénovation énergétique, notamment plus de 49 millions d'euros, avec un soutien financier important, Madame Thouvenot l'a rappelé, important de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, de la métropole et de la ville. Et à l'heure où explosent les prix de l'énergie, et ce n'est pas fini, pour les locataires comme pour les propriétaires, ce type de projet, évidemment, est essentiel pour la qualité du logement et leur redonner du pouvoir d'achat. Alors, nous avons déjà délibéré sur l'engagement de la ville dans cette opération. Même si les subventions publiques sont élevées, les ménages copropriétaires ont une part à leur charge encore nécessaire. Et il ressort que pour certains ménages, ceux qui sont dans les plus grandes difficultés, notamment avec des impayés de charges, ce reste à charge représente des montants trop importants pour leur budget. C'est pourquoi il est proposé avec cette délibération un portage temporaire de lot de copropriété par un bailleur social, CDC Habitat. Cela permet d'apporter une réponse à ces copropriétaires en grande difficulté, puisqu'ils vendront leurs biens. Mais cela permet aussi d'éviter des ventes de logements à des marchands de sommeil qui exploiteraient la misère. Cette délibération s'inscrit donc dans un double objectif, lutter contre la précarité et le gaspillage énergétique avec une amélioration globale du bâti et aider les ménages les plus fragiles. C'est pourquoi nous saluons cette convention avec les partenaires et espérons que Saint-André y trouvera la solution pour redevenir une promesse pour de nouveaux primo-accédants à la propriété dans une copropriété bien éco-rénovée. Je vous remercie. Merci. Madame Thouvenot, vous souhaitez... Très bien. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Il est approuvé. On passe au rapport 197, convention de mise à disposition de l'Astrobal à la SAS Asvel Basket. C'est Monsieur Ali Mohamed Hamada qui rapporte. J'ai une demande d'intervention. Monsieur l'adjoint, est-ce que vous souhaitez en dire un mot avant la demande d'intervention? Non, j'attends l'intervention. Très bien. Donc, j'ai une intervention pour le groupe socialiste, citoyen, citoyenne, villeurbanaise, villeurbanais. Madame Sylvie Donati, la parole est à vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, Villeurbanne est une terre de sport, de tous les sports, évidemment, mais c'est bien au basket que l'on associe Villeurbanne. Cette renommée est largement liée aux exploits de l'Asvel, que nous pouvons ici solennellement féliciter pour son 21e titre de championnat de France et qui confirme largement sa place en tête du palmarès. Cette victoire, certains ou certaines ici présentes ont eu la chance de la vivre depuis une astroballe électrisée par un match mémorable. Un spectacle grandiose, d'autant plus appréciable qu'il s'est tenu à seulement quelques stations de métro d'ici. Grâce à cette proximité, chaque soir de match fait un peu vibrer la ville de Villeurbanne tout entière. L'astroballe, résidence de l'Asvel, est avant tout un équipement municipal, un bien commun pour lequel nous investissons de manière conséquente
pour garantir un accueil optimal des usagers et du public. L'engagement réciproque entre la ville et l'ASVEL permet de maintenir cette excellence villeurbanaise et participe à son rayonnement. Il convient donc d'être rigoureux au niveau de la contractualisation afin de pouvoir nous projeter sur le long terme. La convention qui nous est proposée ce soir, prise pour 6 mois, appellera nécessairement une nouvelle convention. Des incertitudes doivent être encore dissipées et nous devons dès maintenant anticiper l'ouverture prochaine de l'aréna de Décines. Les grands clubs sportifs ne sont pas des entreprises comme les autres. Ils sont au cœur d'un écosystème associant les villes, les supporters, d'autres clubs locaux, bref, toutes les parties prenantes au service public du sport. Nous avons évidemment tout intérêt à ce que l'ASVEL reste présente sur notre territoire, mais pas à n'importe quel prix. Notre confiance est entière à l'égard des services municipaux pour parvenir à un contrat équilibré, comme cela a toujours été le cas. Pour l'heure, notre groupe votera en faveur de la convention présentée ce soir. Je vous remercie. Merci. Monsieur l'adjoint en charge des sports, est-ce que vous souhaitez dire un mot ? Juste remercier Sylvie Donati pour ses mots et puis dire que l'ASVEL reste encore une fois le club le plus titré du basket français. Et ça, on peut être fier de l'avoir à Villeurbanne. Merci. Donc, je m'associe bien sûr aux félicitations pour le club. Je rappelle à notre conseil municipal que nous célébrerons ce titre le 14 septembre lors d'une manifestation qui associe tous les clubs amateurs et professionnels de la ville, qui s'appelle All Stars. C'est organisé bien sûr en lien avec LDLC ASVEL, mais l'ensemble des autres clubs. Donc, on fêtera à ce moment-là le titre et puis indiquer qu'effectivement, nous avons souhaité conjointement raccourcir le temps de cette convention pour, si vous me permettez l'expression, nous obliger à trouver un accord d'ici à la fin de l'année sur les matchs liés au championnat de France et les matchs liés à l'Euroleague. Quand je dis nous, c'est le président de l'ASVEL, Tony Parker, et moi-même. Donc avec les services, nous avons convenu qu'il nous fallait trancher dans cette nouvelle convention pour qu'on soit bien d'accord sur ce qui se passerait à l'avenir une fois que la salle de l'Arena à Décines sera livrée. Il n'y a aucune défiance dans les propos respectifs, mais juste l'envie d'arriver à un résultat avant la fin de l'année 2022. Et je ne doute pas que nous y arriverons. Mesdames et messieurs, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Ah pardon, je devais vous dire avant qu'il y a 3 déports, Morgane Guillas, Sébastien Chatin et Yclef Chic. Donc il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Il est approuvé. Je vais laisser la présidence de ce conseil à Madame la Première Adjointe. Je reviens dans quelques instants. Merci, Monsieur le Maire. Délibération numéro 122, convention de partenariat avec la Métropole de Lyon pour l'organisation de la Nuit des étudiants pour l'édition 2022. Monsieur Friou rapporte. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est approuvé. Délibération 170, convention de don de livres, de périodiques et de disques du réseau de lecture publique à divers organismes. Monsieur Stéphane Friou rapporte. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est approuvé. Rapport numéro 201, convention de partenariat de recherche entre la ville de Villeurbanne et l'Observatoire des politiques culturelles à l'occasion de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Stéphane Friou en a parlé tout à l'heure dans son intervention. Il en est le rapporteur. Il n'y a pas de demande d'intervention. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est adopté. Rapport numéro 186, attribution de subventions aux associations et aux structures dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture. Monsieur Stéphane Friou rapporte. Il y a une demande d'intervention pour Villeurbanne progressiste. Monsieur Friou, vous souhaitez-vous dire un mot en introduction? Et c'est monsieur Chabrier qui intervient. Monsieur Friou. Oui, merci. Monsieur Chabrier. Oui, mais merci, Madame la Première Adjointe. Merci, Monsieur l'Adjoint. Monsieur le maire s'est absenté. Bon,
C'était un peu à lui que ça s'adressait. J'aurais aimé qu'il me réponde, mais il pourra le faire s'il revient d'ici là, ou même le faire en aparté. Alors, loin de nous l'idée, bien évidemment, d'aller critiquer ce qui se fait dans le cadre de Villeurbanne, capitale culturelle. Bien au contraire, on ne peut que se féliciter de la réussite du Festival Réel, la célébration du 40e anniversaire de la fête de la musique avec la présence de Jacques Lang, ou encore ce week-end, donc les nuits de Fourvière délocalisées et les événements à venir du mois de septembre. Nous en ferons le bilan, monsieur l'adjoint, vous l'avez dit, au compte administratif 2023, en tout cas sur le plan financier. Non, je voulais simplement évoquer un point qui nous a quand même un peu interpellé, qui a eu lieu dans le cadre de l'événement et plus précisément dans le cadre du Festival Lyon BD. C'était donc l'exposition qui a eu lieu dans les salons de l'Hôtel de Ville, dans les couloirs de l'Hôtel de Ville il y a quelques semaines, qui était consacré à, je cite, la bande dessinée occidentale qui évoque la Palestine. Alors, sous couvert du label Capitale Française de la Culture et en marge du Festival Lyon BD, force est de constater que cette exposition, qui a été co-organisée par l'association France-Palestine, qui est quand même bien connue pour avoir un discours militant très antisioniste et qui appelle donc régulièrement au boycott d'Israël, force est de constater qu'on s'est inscrit dans une dérive un peu idéologique sans qu'il y ait pour autant la possibilité d'avoir une quelconque contradiction. Et ceux qui sont allés donc voir les dessins ont pu constater une absence totale de pluralisme et d'objectivité et une promotion donc évidente de la détestation d'Israël qui, auprès de publics pas toujours informés de la réalité, de la complexité historique et géopolitique de la situation, débouche souvent sur des idées simplistes, hein, qui entretiennent un antisémitisme latent, voire même complètement assumé. Alors c'est d'autant plus dommage que j'ai eu l'impression, enfin nous avons eu l'impression, et nous n'avons pas été les seuls à le ressentir, que cet événement s'inscrivait quand même dans une orientation qui est contraire à l'âme et à l'histoire et à l'ADN de notre ville, qui a toujours été une terre d'ouverture, de dialogue, de vie en commun et de partage du socle républicain, indépendamment des appartenances et des identités de chacun. Et cet état d'esprit, je dois dire que les maires de Villeurbanne, les prédécesseurs de M. Van Stevendel, hein, depuis M. Charles Hernu, ont eu à cœur de le faire vivre. Et Villeurbanne a toujours été une terre d'émancipation non, comme d'aucuns s'y attellent, semblent s'y atteler aujourd'hui, une terre d'enfermement idéologique. Donc c'est un peu regrettable qu'une manifestation comme celle-ci, dans le cadre d'un événement comme celui-ci, ait tourné le dos à l'histoire de notre ville avec, semble-t-il, le début d'une dérive idéologique qui est inquiétante pour son image et pour sa sérénité. Ça ne remet en rien, bien évidemment, l'événement lui-même qui est capitale culturelle et la réussite de celui-ci. Voilà, c'était juste simplement une remarque que je voulais faire à propos de cette exposition et du message qu'elle a voulu véhiculer. Merci, Monsieur Chabrier. Stéphane Friou. Le micro de Monsieur Friou ne fonctionne pas. Madame Pradel, est-ce que vous pouvez faire glisser votre micro ? Ah non, ça ne marche pas non plus. Toute la rangée. Alors, voilà. Monsieur Friou, vous vous levez pour répondre de dos ? Très bien. Merci. Oui, je pense que je laisserai à Monsieur Chabrier la responsabilité de ses propos, qui sont hors du cadre de la délibération que nous devons voter. J'ai moi-même visité l'exposition. Je me suis assuré qu'il y avait un accompagnement pédagogique, notamment pour des classes. Voilà, j'ai un exemple très précis en tête. Et donc, je pense que l'on ne peut pas du tout accuser la ville d'une quelconque dérive idéologique. Voilà, donc je lui laisse vraiment la responsabilité de ses propos. Il y a de la place pour toutes et tous, quelles que soient les cultures d'origine, les pays d'origine. Il y a également la place pour la reconnaissance de certains faits historiques dans notre ville. Évidemment, Charles Hernu en a été aussi porteur en son temps avec la question arménienne.
Voilà, donc simplement, dont acte de vos propos. Merci, M. Friou. Alors, j'ai plus de micro non plus. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur Friou. On laissera la responsabilité au groupe progressiste pour ces propos-là qui sont durs. Et je rappellerai juste la phrase de Guy Delisle, donc, qui était l'auteur de cette BD, de cette exposition, hein, donc, qui sont des chroniques à Jérusalem. Je ne suis pas un militant. Je vous remercie. Je remets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Donc, rapport numéro 217, monsieur le maire. Rapport numéro 195. Très bien. Donc, pour le rapport 195, attribution à différentes compagnies artistiques, monsieur Friou rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 217, l'attribution de subventions à des associations culturelles. Toujours monsieur Friou, je n'ai pas de demande d'intervention, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Le rapport 194, l'attribution de subventions aux associations étudiantes. Monsieur Friou rapporte, j'ai une situation de déport pour monsieur Gaëtan Constant. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. 193, attribution de subventions aux associations et structures culturelles. Monsieur Friou rapporte, je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 178, l'attribution de subventions aux associations œuvrant à la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Je n'ai pas de demande d'intervention. J'ai une situation de déport pour madame Tron. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 179, l'attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine du handicap. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 189, l'attribution de subventions à diverses associations, vie associative. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. L'attribution de subventions aux acteurs de la politique de la ville au titre de l'année 2022. Monsieur Garabédian rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 190, l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la solidarité. Monsieur Garabédian rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. L'attribution d'une subvention d'investissement à l'association Colin Maillard. Madame Christina Martineau rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je suis moi-même en situation de déport. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Le rapport 205, l'attribution de subvention annuelle à la Société Villeurbanaise d'urbanisme. Madame Caroline Roger-Sépi rapporte. Je n'ai pas de demande d'intervention. J'ai plusieurs situations de déport. Alain Brissard, Paul Campi, Mathieu Garabédian, Agnès Touvenot, Melouka Hadjmimoun et Antoine Pelsé. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Il est approuvé. Rapport 191, la transition écologique et sociale du parc privé avec le programme Mieux chez moi. C'est Alain Brissard qui rapporte. J'ai deux demandes d'intervention. Monsieur Brissard, vous souhaitez en dire un mot avant ? Je vous donne la parole, monsieur Brissard. Merci, monsieur le maire. À travers cette délibération, nous souhaitons ouvrir un nouveau champ d'intervention pour notre collectivité, à savoir l'encouragement à la végétalisation des copropriétés de notre commune et plus spécifiquement la plantation d'arbres et d'arbustes en complément du plan nature métropolitain voté en 2021. Ce choix fait par notre majorité répond à un constat cruel qui nous a été rappelé dans une étude commanditée l'an dernier à l'agence d'urbanisme. Avec 11 mètres carrés de surface arborée par habitant, Villeurbanne se situe à la dernière place des communes de notre métropole. Pas très loin derrière Lyon, c'est vrai, mais en pourcentage de surface couverte, l'écart se creuse et nous sommes 25% moins arborés que notre voisine. Alors évidemment, cette situation est le fruit d'une longue histoire,
celle qui, durant la plus grande partie du XXe siècle, a fait de Villeurbanne une banlieue ouvrière entièrement tournée vers la production manufacturée, accueillante pour des vagues d'habitants de nos campagnes pour qui la terre était synonyme de pauvreté et qui venaient ici pour s'en éloigner. Par là même, la nature n'a jamais vraiment été dans l'ADN du développement de notre ville. Et comme le rappelle Alain Belmont dans son ouvrage sur Villeurbanne, en 1977, sur les 1452 hectares de la commune, Villeurbanne ne comptait que 8,5 hectares d'espace vert. Alors bien sûr, le tournant du XXIe siècle et des politiques volontaristes ont amélioré les choses. Aujourd'hui, grâce notamment au parc de la Fessine, ce chiffre est monté à 65 hectares. Mais cela ne compte que partiellement notre retard et donne toute sa légitimité et sa pertinence à l'ambition portée par notre majorité de doubler sur ce mandat et le prochain le rythme de création d'espaces de nature que nous connaissions précédemment, avec la création notamment de 5 nouveaux parcs de plus d'un hectare. Il s'agit aussi, pour combler ce retard, d'orienter au mieux les crédits métropolitains dédiés à la voirie vers la végétalisation de nos rues. Et je fais le vœu que, là aussi, on puisse doubler le rythme des plantations que nous connaissions sur le précédent mandat. Mais lutter contre les îlots de chaleur, préserver la biodiversité, améliorer la qualité de notre environnement ne peut s'arrêter aux frontières du patrimoine public et laisser de côté ce qui constitue 70% des espaces extérieurs de nos communes, à savoir le parc résidentiel collectif. Cette délibération vient donc compléter notre gamme d'interventions pour que cette dynamique de végétalisation puisse couvrir l'ensemble du territoire et que les 2000 conseils syndicaux de Villeurbanne sachent que la municipalité et la métropole sont prêtes à les accompagner financièrement pour faire de leur espace extérieur des havres de verdure. Elle vient s'adosser au dispositif « Mieux vivre chez soi » et nous permet de répondre ainsi à l'ensemble des problématiques sur lesquelles la ville souhaite aider à améliorer le cadre de vie des habitants, que ce soit dans le domaine de l'efficacité énergétique, de l'accessibilité des logements ou des mobilités. Le détail des modalités d'intervention étant précisé dans le rapport, je laisse la parole au groupe et répondrai aux éventuelles questions. Merci. J'ai deux demandes d'intervention. La première pour le groupe Villeurbanne progressiste. Je ne sais pas qui intervient. Ce sera moi. C'est vous. À vous, Madame Pro. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes favorables à l'élargissement de ce dispositif Mieux chez moi, essentiel sur le sujet de l'adaptation des logements occupés par des personnes âgées ou en situation de handicap, et aujourd'hui étendu avec le soutien de la métropole dans le cadre du plan nature métropolitain. Nous notons donc une volonté d'inclure le parc privé dans l'accompagnement vers la transition écologique, tout en permettant à des copropriétaires de bénéficier d'une meilleure qualité de vie au quotidien grâce à l'aide à la végétalisation des espaces résidentiels collectifs. Cela n'est pas superflu alors qu'à Villeurbanne, le revenu médian est inférieur à la moyenne nationale. Pour rappel, en 2019, 1680 euros par mois contre 2005 euros de moyenne nationale, et que le revenu fiscal moyen par foyer, toujours en 2019, est de 23 334 euros. Ce niveau de revenu ne permet pas toujours ce type d'aménagement dans des copropriétés où les primo-accédants ont parfois des revenus modestes, d'autant plus dans le contexte économique que nous connaissons bien désormais. Au vu du reste à charge, de certains travaux non finançables, mais aussi des règles juridiques applicables au sein des copropriétés, nous craignons toutefois que les bonnes volontés, nombreuses, soient freinées dans certaines copropriétés déjà confrontées à d'autres priorités en termes de travaux. L'objectif étant de 100 résidences d'ici 2026, nous souhaitons donc avoir des points d'étape réguliers sur l'attribution de ces aides et que l'information du parc privé par l'intermédiaire des syndics de copropriété et des conseils de quartier, notamment par l'intermédiaire des adjoints de secteur, soit à la hauteur. Plus globalement, nous espérons que de manière complémentaire avec les dispositifs mis en place par le gouvernement, notamment MaPrimeRénov, l'éco-prêt à taux zéro, etc., nous arrivons ainsi à de meilleures performances énergétiques, à une réduction des coûts des factures et bien sûr à un cadre de vie apaisant et agréable pour les propriétaires occupants, mais aussi pour les locataires qui en bénéficieront par la même occasion. L'exemple dramatique de la résidence Saint-André, évoqué préalablement, doit nous servir à tous de leçon au vu de la situation chaotique et bien sûr traumatisante de certains propriétaires.
Bien entendu, l'accession à la propriété n'est pas une fin en soi, mais elle est perçue comme une sécurité et une forme de dignité pour beaucoup de ménages, malgré les accidents de la vie qui peuvent la remettre en question. En conclusion, un parcours résidentiel n'est pas linéaire et se construit, parfois se reconstruit. Pour cela, il faut tout d'abord casser l'idée reçue, que nous entendons encore, que l'accompagnement social et les dispositifs existants pour l'aménagement à la végétalisation et sur d'autres sujets concernent prioritairement les locataires et ou le parc social et en favoriser la mise en œuvre pour permettre à chacun d'être mieux chez soi. Je vous remercie. Merci. J'ai une intervention conjointe pour l'ensemble des groupes de la majorité. Et c'est Madame Agnès Touvenot qui prend la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération, en effet, s'inscrit dans le cadre global de la transition écologique et sociale des copropriétés. Nous avions voté il y a un an, quasiment jour pour jour, une délibération globale où nous avions déjà renforcé nos aides pour l'éco-rénovation, mais aussi ajouté des aides sur l'accessibilité et l'adaptation des copropriétés. Un an après, le Conseil municipal doit approuver un nouveau volet de cette transition écologique et sociale, celui de la végétation. Végétaliser massivement la ville n'est pas seulement un effet de mode ou une vision poétique de la ville, mais devient un impératif catégorique si l'on souhaite pouvoir maintenir un territoire vivable. Les épisodes caniculaires, mais aussi les très violents épisodes pluvieux, nécessitent de végétaliser et de désimperméabiliser les sols. Si la ville et la métropole sont volontaristes sur les espaces publics, il faut se rappeler que le domaine privé représente 80% du territoire communal. C'est donc bien avec les propriétaires privés, avec les résidences privées, qu'il faut agir. La nouvelle réglementation du plan local de l'urbanisme et de l'habitat impose une nouvelle proportion de surface de pleine terre pour permettre d'accroître la végétation. Mais il faut s'attaquer à l'existant. La cartographie dont nous disposons permet d'identifier à l'échelle du territoire communal où se trouvent les îlots de chaleur et cela va nous permettre d'aller démarcher les copropriétés, en particulier celles construites dans les années 60, entre 60 et 90, qui ont souvent réduit à la portion congrue leurs espaces verts, préférant le bitume moins coûteux à entretenir et plus pratique pour le stationnement des véhicules. C'est pour ces résidences en particulier que cette délibération est prise, visant à produire un effet de levier financier pour mieux et plus végétaliser. L'accompagnement des copropriétés va permettre également de les aider à diversifier les variétés végétales, assurant de la biodiversité et accroissant les continuités écologiques, permettant de compléter la trame verte de notre milieu urbain. Mais au travers de cette délibération, je souhaiterais également souligner la méthode villeurbanaise que nous renforçons après année. Je le disais, de la rénovation énergétique des copropriétés, nous sommes passés à un dispositif d'accompagnement global à la transition écologique et sociale. L'an dernier, à cette même date, nous votions bien chez soi pour l'adaptation et l'accessibilité. Aujourd'hui, la végétalisation. Mais au-delà des volets financiers non négligeables que nous consacrons à cette politique publique, la réussite du dispositif tient dans son animation et la fonction de guichet unique que nous avons mis en place. La ville de Villeurbanne et ses habitants peuvent s'appuyer sur le savoir-faire de l'ALEC et de l'association Solia. Ces deux partenaires associatifs accueillent et accompagnent les ménages et les copropriétés, les prenant par la main pour monter notamment des dossiers de financement souvent complexes auprès notamment de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, avec MaPrimeRénov. Cette confiance que nous avons dans le secteur associatif, financée à la fois pour leur offre de services, mais aussi leur projet associatif, permet aussi de soutenir l'innovation sociale. C'est dans ce cadre que Solia nous a proposé de tester le diagnostic multi-usage des copropriétés. Deux ont été réalisés et permettent sur des copropriétés identifiées comme fragiles d'avoir une approche globale. Sécurité incendie, végétalisation, locaux vélos et locaux poussettes, bornes de recharge pour les véhicules électriques, énergie renouvelable. Bref, une offre de services assez remarquable pour mettre en mouvement les syndics de copropriété vers des travaux souvent compliqués à mettre en œuvre. Je terminerai par le dernier sujet sur les enjeux énergétiques. Alors que le coût de l'énergie explose, il nous faut accompagner plus vite et plus fort les copropriétés. Alors que les bailleurs sociaux font des efforts considérables pour rénover les logements sociaux, S-Métropole Habitat, par exemple, a annoncé la semaine dernière aux habitants du quartier de Monod une réhabilitation de plus de 17 millions d'euros de travaux, soit 70 000 euros par logement. Les grosses copropriétés doivent aussi prendre le tournant. Elles peuvent bénéficier d'économies d'échelle. Nous devons les accompagner. Mais nous devons aussi être vigilants sur les plus petites copropriétés, aux syndics souvent bénévoles, qui pourraient, si nous n'y prêtons garde,
décrocher et se transformer à terme en habitat indigne. Aujourd'hui, nos dispositifs publics sont construits pour soutenir ceux qui font la démarche. Il nous faut vraisemblablement inverser la donne et aller vers dans une approche volontariste, systématique, qui lutte contre le non-recours. Avec certains élus de cette Assemblée, nous réfléchissons à créer une démarche quartier zéro passoire thermique. Il nous faut avancer. La transformation écologique des logements est immense et c'est une brique supplémentaire du droit au logement pour un logement digne, abordable et qui aujourd'hui doit protéger des aléas climatiques. Je vous remercie. Merci, Madame Thouvenot, même si vous avez un peu dépassé votre temps de parole, mais vu que c'était une intervention conjointe pour l'ensemble des groupes de la majorité, je serai magnanime. Monsieur Brissard, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, merci. Très bien. Bah, écoutez, moi, je me satisfais de ces échanges et de ces prises de parole à la fois pour le groupe de l'opposition et le groupe de la majorité sur une vision conjointe de l'important de pouvoir intervenir conjointement sur le parc privé, sur cette question de la végétalisation des espaces résidentiels collectifs. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Approuvé. Nous passons au rapport 214 qui concerne une étape juridique liée à la suppression des marchés Leclerc et Grand Clément pour le 31 décembre 2022. Il y a plusieurs demandes d'intervention. Monsieur Campi, vous souhaitez en dire un mot en introduction ? Oui, monsieur le maire, chers collègues, cette délibération s'inscrit dans le cadre du renouveau de nos villes et de nos quartiers, dont celui de Grand Clément. Le projet de zone d'aménagement concerté de Grand Clément regroupe 1200 logements, 70 000 m² d'activités économiques, un parc de 3,2 hectares. Ce projet s'inscrit aussi dans le développement des mobilités alternatives à la voiture. Quatre semaines, plus précisément 3 semaines, 6 jours, 18 heures et 40 minutes. C'est le temps qu'il nous faudrait si nous respections une minute de silence pour toutes les personnes décédant de la pollution aux particules fines chaque année en France. Un développement des mobilités nécessaires, dont l'extension du tramway T6 le permettra, pardon, pour les habitants, pour les travailleurs, pour les usagers de Lyon 3e, Bron, Villeurbanne, avec un accès aux pôles économiques, aux activités culturelles et de loisirs, à la santé et aux hôpitaux, aux campus universitaires et aux centres-villes. Ce tramway se développe dans un environnement urbain extrêmement contraint et nous oblige malheureusement à délibérer ce jour sur la fermeture des marchés Leclerc et Grand Clément. Un nouveau marché verra le jour à terme sur le site de la promenade de la gare, mais dans cette attente, nous avons aussi cherché en vain un espace permettant d'organiser le maintien de ces deux marchés à l'identique avec toutes les contraintes que nous avons en termes d'occupation de domaine public, en termes de circulation, quels que soient les modes de déplacement, en termes de stationnement et en termes de maintien de cadre de vie pour nos habitants des quartiers. Avec 20 000 habitants à moins de 15 minutes à pied de ces marchés, nous nous devions néanmoins de maintenir une activité commerciale non sédentaire. Et ça fait bientôt 2 ans que nous travaillons sur la création d'un marché transitoire sur ce quartier. Un marché populaire, attractif, avec une diversité de produits, une diversité de prix, un marché pour toutes et tous. Et pour conclure, réconcilier les intérêts individuels et collectifs. Ce n'est pas un exercice simple et c'est en œuvrant ensemble que nous y arriverons pour une ville pour toutes et tous. Je vous remercie et je répondrai si besoin. Merci. J'ai plusieurs demandes de prise de parole successives. D'abord pour le groupe Villeurbanne Progressiste, Madame Demar. Monsieur le maire, chers collègues, chers Villeurbanaises et Villeurbanais, nous souhaitons, par cette intervention, éveiller les consciences à l'heure où la démocratie participative et les assemblées citoyennes sont dans toutes les bouches de votre majorité, avec une certaine fierté quant à leur développement. Nous rappelons que le marché Leclerc-Grand Clément existe depuis 1892 à la demande des habitants, suite à une pétition d'un millier de signataires. 21 000 clients sont accueillis chaque semaine selon la ville. Il y a aujourd'hui 204 forains et commerçants, adhérents et permissionnaires confondus.
C'est un marché populaire, de proximité, permettant de s'habiller et de s'alimenter à moindre coût et sans devoir dépenser des frais de déplacement au moment où l'on parle de pouvoir d'achat, d'économie d'énergie et de la baisse des émissions à effet de serre. En décembre 2021, nous avons voté la création d'un nouveau marché rue Réguillon en prévision de la fermeture du marché alimentaire Leclerc due au prolongement de la ligne du tram T6 dont nous ne remettons pas en cause l'utilité. Mais qu'en est-il du marché manufacturé de Grand Clément ? Il me semble que nous n'avons pas voté une délibération permettant de créer un nouveau marché manufacturé. Car dans la délibération de ce jour, nous devons voter la suppression des marchés Leclerc et Grand Clément. De fait, nous nous interrogeons sur le devenir des commerçants et forains. En effet, il y aura moins d'étals retenus pour l'alimentaire et, en l'état actuel de la situation, plus de marchés manufacturés. Les critères retenus et l'orientation voulue par la ville pour ce nouveau marché nous laissent penser à un choix politique dogmatique et clientéliste qu'à la prise en considération des hommes et des femmes dont la perte des revenus, pour certains 80% de leur chiffre d'affaires, vont impacter leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, créant ainsi de la précarité. Nous nous interrogeons également sur la méthode dans ce dossier. Des manifestations et des actions importantes des forains, une pétition de 2200 signatures de la part des habitants en un seul dimanche, la ville de Villeurbanne qui fait l'objet d'une requête auprès du tribunal administratif. Est-ce qu'il y a réellement une logistique de transparence et co-construction comme l'exprimait M. Paul Campy dans les pages du Viva ? Monsieur le maire, M. Campy, quel est votre plan d'action indépendamment de la décision de justice à venir ? Merci pour votre attention. Merci. J'ai une prise de parole pour le groupe Génération, M. Brissard, c'est ça ? Oui, nous retirons notre intervention, Monsieur le maire. Merci. Intervention pour le Cercle Radical et Place Publique, Madame Katia Buisson. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération acte la suppression des marchés Grand Clément et Leclerc pour la fin de l'année, afin de permettre la réalisation des travaux du tram T6. Les forains ont été prévenus bien en amont, il y a déjà plus d'un an, et la question des emplois des commerçants reste centrale. En effet, la création d'un marché pour proposer une alternative ayant précédé la suppression de ceux dont il est question aujourd'hui, il nous semble essentiel d'essayer de trouver des solutions aux forains qui perdront leur autorisation d'occupation temporaire. Nous avons la responsabilité de faire preuve d'humanisme et de solidarité en la matière. Les forains exercent un métier à la fois éprouvant et nécessaire. Nous devons aux forains un accompagnement et, autant que possible, une solution de repli. Notre majorité doit tout faire pour préserver ses emplois et garantir que les marchés populaires puissent subsister. Or, à l'heure actuelle, certains forains restent sans solution, alors que le marché actuel, ayant lieu 3 fois par semaine, constitue pour eux l'immense majorité, voire la totalité, de leur chiffre d'affaires. Il nous faut prendre en compte leurs revendications, les souffrances exprimées, tout en gardant l'intérêt général comme seul objectif. La concertation menée doit maintenant permettre à la situation d'être plus claire, plus lisible et de mener à des solutions concrètes et satisfaisantes pour toutes et tous. Notre groupe continuera à veiller à ce que les projets qui verront le jour, notamment pour permettre une meilleure desserte en transport, se fassent dans l'intérêt de toutes et tous. C'est dans cet esprit que notre groupe votera cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai une intervention conjointe du groupe communiste et républicain et Villeurbanne Insoumise Ensemble. C'est Aurore Goriquet qui s'exprime. Monsieur le maire, chers collègues, chers Villeurbannais et Villeurbannaises, cela fait plus de 20 ans que le premier tramway moderne de l'agglomération lyonnaise ont été lancés et que le tram T1 est arrivé à Villeurbanne. Depuis, notre ville a bénéficié de 2 nouvelles lignes, la ligne T3 en 2006 et la ligne T4 en 2009. La ligne T6, qui ira des hôpitaux du Vignatier jusqu'au campus de la Doye, arrivera donc en 2026, 17 ans après la dernière mise en service d'un nouveau tram à Villeurbanne. Les transports en commun répondent, tout comme les marchés, aux besoins quotidiens des Villeurbannais et Villeurbannaises.
Tracer une nouvelle ligne de tram, ce n'est pas toujours simple. Il faut que la ligne soit efficace tout en prenant en compte ce qui existe déjà. On ne trace pas une ligne de tram comme ça sur une carte sans réflexion. Des études ont été menées, puis une concertation auprès des habitants. Au final, c'est ce tracé qui a été choisi. Il nous impose de supprimer l'espace attribué à un marché et nous aurions préféré avoir d'autres solutions, mais nous ne pouvons pas mettre de côté un projet important pour celles et ceux dont les déplacements dépendent largement des transports en commun, notamment les personnes qui n'ont pas les moyens de se financer une voiture. Ils permettent de se déplacer plus rapidement qu'à pied. Nous devons penser à l'intérêt général de nos politiques. Et le développement des transports en commun, lourds et rapides, est d'intérêt général. Il s'agit évidemment pas de supprimer le marché, mais de le déplacer. C'est pourquoi la très grande majorité des commerçants a été choisie pour le nouveau marché. Il n'y a d'ailleurs jamais été question de remplacer les forains alimentaires actuels par d'autres commerçants plus chers. Le but a toujours été de garder un marché populaire où tout le monde peut venir faire ses courses. Pour les forains qui n'ont pas pu être déplacés, et notamment pour les vendeurs de produits non alimentaires, Monsieur le maire et Monsieur Paul Campy, adjoint au développement économique, ont entamé un dialogue et proposé des solutions à plusieurs reprises qui ont été ou non acceptées. Nous souhaitons bien sûr que personne ne soit mis de côté. Pour l'intérêt général et le développement des transports en commun, nous soutiendrons donc cette délibération. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, citoyennes, citoyens, villeurbanaises, villeurbanais, Madame Laura Gandolfi. Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, le 16 décembre dernier, notre conseil municipal s'était prononcé en faveur de la création d'un nouveau marché, boulevard Eugène Réguillon, pour anticiper la mise en place des travaux du T6 le long de l'avenue Leclerc jusqu'à la place Grand Clément, qui ne pourront dès lors plus accueillir de marché. Une nouvelle délibération est nécessaire pour acter le déplacement de l'un des plus anciens marchés de Villeurbanne qui participe depuis plus d'un siècle à l'animation d'un quartier en pleine mutation. Notre groupe reste convaincu que le quartier Grand Clément tirera avantage de cette nouvelle ligne de tramway, véritable colonne vertébrale du projet urbain en cours dans le cadre de la ZAC. L'arrivée d'une ligne majeure de transport est à la fois un gage d'attractivité économique et d'apaisement de l'espace public. Les Villeurbanais, Lyonnais et autres qui venaient en nombre chaque mardi, jeudi et dimanche retrouveront leurs commerçants habituels le long du boulevard Eugène Réguillon. Un changement de lieu qui ne change rien à l'esprit du marché. Un marché populaire, compétitif et de qualité. Un travail est en cours pour créer un marché manufacturé en proximité qui pourrait être en deux parties, l'une dans le prolongement direct de Réguillon, rue Frappaz, et l'autre en proximité sur une portion de la rue du 1er mars 43. Il sera par ailleurs équipé pour permettre la tenue de marchés propres dans la continuité d'une expérimentation déjà en place sur le marché Chanoine-Boursier, améliorée par des aménagements spécifiques qui devraient faciliter le tri sélectif des déchets pour les forains et garantir la rapide remise en état de l'espace public. Les perturbations pour les riverains seront ainsi réduites au minimum. C'était l'engagement qui avait été pris auprès d'eux lors des diverses réunions publiques. Notre groupe votera donc ce rapport. Je vous remercie. Merci. La parole pour le groupe Les Écologistes à Madame Pauline Schlosser. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, le tramway T6 passera avenue Général Leclerc, tel que prévu dans la concertation de 2019. Il s'agit d'un très beau projet de requalification d'espaces publics pour répondre aux enjeux de végétalisation, de mobilité, de réduction des nuisances liées à la circulation automobile. Le projet avance. Il y a justement, jusqu'au 21 juillet prochain, l'enquête publique à laquelle tous les habitants et les futurs usagers du tram T6 sont invités à participer. Dès 2023, les chantiers démarreront, en particulier sur l'avenue Général Leclerc. Également, la promenade de la gare servira de base-vie aux équipes du Citral. Ces deux points auront pour conséquence la suppression des deux marchés du quartier Grand Clément, Leclerc et Grand Clément. Même si nous regrettons la suppression des deux marchés,
il faut souligner qu'en parallèle, la ville a fait le choix de créer un nouveau marché alimentaire à quelques dizaines de mètres sur le boulevard Eugène Réguillon, afin de répondre aux besoins des habitants pour ce mode d'approvisionnement de proximité et populaire qui crée de la vie dans nos quartiers. Dans le même sens, un marché manufacturé est en cours de discussion. Le tout en veillant que chacun puisse circuler en transport en commun, à pied, en vélo et en voiture. Face aux enjeux écologiques, mais aussi pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de transports en commun efficients, nous soutiendrons cette délibération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Campi. Eh bien, écoutez, je dois vous remercier, puisque nous prenons tous collectivement la mesure de l'importance de cette délibération, des difficultés que nous rencontrons toutes et tous sur le fait de construire la ville ensemble. J'ai néanmoins un regret que je vais adresser à Madame de Mars et à Monsieur Chabrier. Ce regret, il est assez simple, c'est que je me suis tenu à leur disposition. Je leur ai également transmis mon numéro de téléphone. Ils ont mon adresse mail pour échanger sur ce sujet. J'ai malheureusement pas le temps de discuter de manière tel un monologue en fin de conseil municipal. Néanmoins, je tiens à rappeler que la création d'un marché manufacturé dont s'émeut Madame Demar, c'est un sujet qui est en cours de discussion avec les représentants syndicaux des marchés, qu'ils soient alimentaires ou manufacturés. Je n'ai pas la possibilité de vous demander en précision ce que vous qualifiez de critères et de politiques dogmatiques, mais je tiens à rappeler que nous avons fait en sorte, dans l'appel à candidature pour le marché alimentaire, de faire en sorte que toutes les catégories de prix et que toutes les catégories de produits soient représentées pour que ce soit un marché pour toutes et tous. C'est ce que j'ai dit en présentation de ce rapport. Vous vous inquiétez aussi de l'accompagnement. Je vous invite peut-être à reprendre attache avec moi pour peut-être étudier le nombre de réunions qui ont été mises en place, que ce soit des réunions avec les syndicats ou aussi des réunions en commission élargie. Et je vous invite, quand vous parlez de transparence, à bien regarder ce qui est contenu dans l'assignation en justice, puisque c'est effectivement la problématique du dialogue qui était trop présent. Voilà. Donc voilà, je tiens à vous faire part effectivement de ma déception sur ce que vous recherchez en termes de dialogue et de transparence. Merci. Merci Monsieur Campi. Je me permets quelques mots, parce qu'on est tous les deux régulièrement pris à partie sur ce dossier, vous un peu plus souvent que moi, mais c'est bien normal parce que vous le gérez en direct. D'abord, partager avec l'ensemble des conseillers municipaux, y compris celles et ceux... alors, on a entendu l'opposition, je vais en dire un mot, mais Madame Buisson, nous ne sommes plus en campagne législative, donc je pense qu'il faut retrouver le sens de la mesure dans les propos, et je crois que le travail est bien mené conjointement avec l'ensemble des groupes de la majorité sur ce marché, et que vos étonnements et vos précautions, vous pouvez aussi en faire part dans nos groupes de travail collectifs. Ce travail, il se fait avec en tête la situation de chacune et de chacun des forains concernés par ces deux suppressions. Et je l'ai dit à chaque fois que je les ai rencontrés dans le cadre des rencontres prévues, puisque aujourd'hui, on nous indique que le maire ne veut pas recevoir les forains. Le maire, il reçoit l'ensemble des forains qui sont compris par les textes de loi, et s'il essaye de s'en éloigner, il est assigné en justice. Donc, il essaye de se... mouvoir dans un contexte légal qui n'est pas facile. Mais je l'ai dit à chaque fois que j'ai rencontré les forains, nous sommes face à une situation où il s'agit d'intérêts particuliers qui sont mis à mal par l'intérêt général. Par intérêt particulier, j'entends des gens qui perdent effectivement leur droit d'occupation temporaire et qui aujourd'hui sont insuffisamment protégés par le législateur. Et je le dis ici. Mais du coup, j'interpelle aussi mes amis de l'opposition, enfin, en disant
que n'avez-vous pas, depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, puisque certains d'entre vous ont voté ce projet qui ont conduit à la suppression du marché, trouvé un moyen pour qu'on puisse accompagner légalement les forains qui voient la suppression de leur activité prévue par des projets d'aménagement public? Et en tout cas, moi, je n'ai pas fermé la porte à la possibilité de discussions individuelles qui pourraient y compris aller vers des compensations financières. Simplement, tant qu'on est sur un registre d'assignation au tribunal, je ne peux pas engager ces démarches-là. Et je l'ai dit aux représentants des forains, nous sommes prêts à les recevoir un par un pour identifier ce qui s'est passé pour eux et s'il peut y avoir des contreparties pour celles et ceux qui n'ont pas été retenus sur le marché nouvellement créé, celui de Réguillon, et le marché qui va être créé, puisque je vous le dis ici, Madame de Mars, n'ayez aucune inquiétude, le marché manufacturé sera créé. Il sera créé, et ça a été dit dans une intervention de Madame Gandolfi, sur la partie de la rue Frappaz et le dimanche, la rue du 1er mars, avec 3 syndicats sur 4 qui nous donnent leur accord sur la manière dont ça s'est fait. Donc on peut faire des effets de manche, etc. Mais moi, je m'y refuse parce que derrière, on a des situations individuelles de forains qui perdent leur travail, effectivement, pour qui ça met en difficulté parfois la famille entière. Et donc, c'est pour ça que je me prononce très rarement sur ce dossier, parce que je trouve qu'il est inconvenant de politiser, de polémiquer autour de ces situations individuelles et de ces situations familiales, et que l'ensemble de nos services, et ils ont fait un travail remarquable avec Paul Campi, se sont mis à la disposition de chacun, soit pour étudier des situations de relocalisation, soit pour les aider à monter les dossiers de candidature pour la première sélection du marché Réguillon. On aura le même dispositif une fois qu'on sera d'accord sur les périmètres pour le marché forain. Et donc, nous aurons bien deux marchés. Voilà, je sais que c'est un moment qui est difficile. Je sais aussi que certains de ces représentants sont présents dans le public et je les remercie pour leur attitude exemplaire. Ils auraient pu en profiter pour faire un happening, c'est interdit, mais ils auraient pu essayer quelque chose. Et moi, je trouve que ça donne à voir, en tout cas, de la qualité du débat qui est là, même si ça fait des manifestations régulières devant l'hôtel de ville. Je considère que ça peut faire partie du débat démocratique que de pouvoir s'exprimer de cette manière-là. Mais je suis sûr qu'on arrivera à créer de marchés et qu'on arrivera à trouver des réponses et des solutions pour toutes celles et ceux qui sont de bonne foi dans ce dossier. En tout cas, c'est la ligne que nous nous sommes donnée avec l'adjoint et avec les services. Je vous remercie de votre attention et je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Ce rapport est approuvé, je vous en remercie. On est à la fin de l'ordre du jour des rapports qui sont présentés. Il y a encore 2 informations que nous souhaitons partager avec vous. D'abord, je vais donner la parole à Yclef Chic, puisque nous avons le plaisir d'accueillir une délégation de Dire Dawa. On avait le maire de Dire Dawa qui était là cette semaine avec nous. Il a dû repartir pour des obligations professionnelles à Dire Dawa en Éthiopie, mais le reste de la délégation est là. Ils nous ont fait la gentillesse d'assister pendant plus de 2h30 à nos débats en français, alors que pour la plupart d'entre eux, ils sont plutôt habitués à l'anglais en plus de leur langue natale. Donc, je les remercie de cette forme d'attention bienveillante à la vie de notre commune. Et exceptionnellement, je demande à M. Yclef Chic de prendre la parole rapidement pour dire un mot sur la délégation qu'il a accompagnée toute la semaine. Bien, merci, M. le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, il n'aura pas échappé à votre sagacité que ce soir, notre auditoire n'est pas Villeurbanne-Villeurbanais, mais plutôt international aujourd'hui avec l'Éthiopie. Vous l'aurez compris, cette visite s'inscrit dans un jumelage. La ville de Villeurbanne a co-organisé un jumelage depuis plus de 15 ans avec la ville de Dire Dawa, et la substance en a été, parmi tant d'autres, l'accès à l'eau potable, à la fabrication des sanitaires, traitement de déchets, l'assainissement. J'insiste sur ce sujet, car à Villeurbanne et à la métropole, nous œuvrons pour que l'eau, ce bien précieux, soit un bien commun. Présentement, en leur présence, ce défi collectif résonne de manière toute particulière en moi et en nous tous. Sans vouloir faire la rétrospective de leur semaine, que je qualifierais de bien chargée, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à alimenter les réflexions qui constituent nos défis d'aujourd'hui et de demain, et cela qu'ils soient élus
ou directeur de service. Vous, monsieur le maire, en premier rideau, pour leur avoir réservé l'accueil protocolaire et néanmoins chaleureux qui les a tout particulièrement touchés. Madame Zemmour d'Akhilifi, qui a mobilisé les équipes de la caserne du SDMIS de la Doua au titre de sa présidence et dont l'exposé serait très instructif pour nous tous élus ici présents. Monsieur Garabédian Mathieu, ambassadeur du CCAS, qui a mis en vitrine nos valeurs de solidarité, et je l'en remercie. Madame Béatrice Vessier, au titre de sa vice-présidence à la métropole et de ses services à l'urbanisme et au cadre de vie. Madame Nathalie Chaptal, responsable de la police municipale, ayant intervenu avec l'accord de monsieur Yann Krombeck, avec une présentation du matériel et des missions de cette police municipale. Et enfin, Madame Sonia Tron, qui a su, dans le temps dédié, mettre en vitrine ce à quoi je crois et ce à quoi nous travaillons. Investir dans l'éducateur d'aujourd'hui, c'est investir dans l'enfant de demain. Merci à toutes et tous. Vous l'aurez compris, par les chantiers de la coopération internationale que nous ouvrons à Villeurbanne et à la métropole, ce sont toutes nos collectivités qui en sortent grandies par leur montée en compétences. Je terminerai avec une petite pensée pour Monsieur Yves Coppens, qui a été le découvreur de Lucie et qui a souvent été notre trait d'union entre Villeurbanne et de ce côté du globe, et qui nous a récemment quittés, comme je le disais. Donc, merci à toutes et tous. Merci, Iclev, de les avoir accompagnés. Un petit salut amical à Choki, qui organise tout cela aussi avec nous, représentant de l'association qui participe au suivi de ce jumelage. Donc ça, c'était la première, entre guillemets, incartade à notre ordre du jour classique. La deuxième, 133 conseils municipaux pour le monsieur qui est juste à côté de moi, Éric Grignard. Voilà, il a compté à Villeurbanne, parce que sinon avant il en a fait plein. Et il se trouve qu'il va voguer vers d'autres horizons professionnels. Alors, un, il n'aime pas trop quand on s'épanche. Deux, on a déjà fait un pot de départ avec des discours, donc je ne vais pas en faire beaucoup, mais juste saluer d'abord son épouse qui est dans la salle, chère Annie Grignard, et juste dire un mot pour remercier ce très très grand serviteur du service public et des collectivités locales que vous êtes, cher Éric, qui avait en plus eu l'élégance d'accompagner notre majorité dans ces deux premières années, de nous aider à mettre en place le plan de mandat, la PPI, avec votre équipe qui vous pleure, vous le savez, qui est une partie derrière vous, voilà, mais qui avait eu cette élégance avant de partir vers d'autres horizons professionnels. Je vous ai dit en rigolant la semaine dernière que vous quittiez le Palais du Travail pour le Palais des Papes et que ce choix vous appartenait, mais c'était simplement pour parler de ville de théâtre, monsieur Chabrier, je vous vois lever les yeux au ciel. L'année dernière, c'était Gaëtan, à la même époque. Là, cette année, c'est vous. Non. Et donc voilà, donc, je l'ai dit aussi, Éric, il choisit toujours des villes de théâtre, Seine-Saint-Denis, Villeurbanne, Avignon, ça va, c'est quand même. C'est pour ça qu'il prend un peu de temps entre chaque, parce que vu qu'il choisit la ville où il va aller, ben, le temps qu'elle se libère, ça prend un peu d'espace. Mais donc, un immense merci, cher Éric Grignard, à vous de nous avoir accompagnés comme cela. Et puis, j'en profite aussi, avant de vous laisser la parole, bien sûr, pour indiquer que nous avons choisi notre nouvelle directrice générale des services et qu'elle est juste derrière moi, puisque c'est Fanny Carizé qui deviendra directrice générale des services. Voilà, deux ans après, à la fois un départ, une arrivée, tout ça se passe dans une forme de continuité, mais avec un très grand esprit d'ambition, de renouvellement et de toujours faire un peu mieux. Je crois que c'est ce qui anime cette ville, toujours faire mieux. Et donc, je suis ravi que Fanny Carizé ait candidaté, qu'elle ait réussi à l'emporter dans une sélection, je vous assure, de haut vol, et pas simplement pour le nombre de candidatures que nous avons retenues, mais y compris pour la qualité de celles et ceux qui se présentaient à cette fonction. Mais je suis ravi de pouvoir la voir prendre ses fonctions, qu'elle assumera à partir
partir du 8 août, puisqu'on a convenu avec Éric Grignard et Catherine Lepute qu'il était plus sage de lui laisser prendre ses congés qu'elle avait prévus initialement, pour qu'elle nous revienne en pleine forme pour prendre ses fonctions. J'en profite également pour remercier Madame Catherine Lepute, qui assure actuellement l'intérim et qu'il fera jusqu'au 8 août. Merci à vous aussi d'assurer cela pour les semaines à venir. Voilà, et enfin, avant de laisser la parole à Éric Grignard, vous indiquez que, comme chaque année, on va instaurer ça. Vous avez un pot qui vous sera servi là cette fois-ci dans la salle de l'ancienne bibliothèque, mais en fonction des lieux où on le fera, on essaiera pour ce conseil du mois de juillet d'avoir un petit moment de convivialité qui s'adresse également au public, je vous rassure, également. Donc, salle de l'ancienne bibliothèque, c'est au fond du hall. Monsieur Grignard. Écoutez, monsieur le maire, d'abord, merci pour ces mots, puis merci pour cette décision. Presque qu'elle me ravit. Voilà. Bon, c'est exceptionnel que le DGS prenne la parole dans cette enceinte. C'est très bien que ce soit exceptionnel. Mais c'est très bien aussi parce que c'est par excellence le lieu du débat politique entre élus. Et donc, c'est très bien qui se fait en plus sous le regard et les caméras avec les habitants et les habitantes de Villeurbanne. Donc, c'est très bien que ce soit comme ça. Pour un fonctionnaire territorial, c'est évidemment un conseil municipal toujours un moment particulier, même au bout du 133e, où l'on touche le fonctionnement de la démocratie locale à la fois dans son caractère formel, parfois, mais aussi sur le fond des débats politiques. Et ça reste un exercice toujours très, très intéressant pour moi. Tout au long des différents conseils, sur les différents mandats, j'ai toujours trouvé beaucoup de respect pour le travail des services municipaux. Ils ont été peu, voire jamais mis en cause et souvent, très souvent remerciés et félicités. Et je crois que les témoignages nombreux qui me sont adressés au moment de mon départ sont, d'après moi, largement adressés aussi et destinés aux agents du service public municipal. Et je formule avec pleine confiance le vœu que cette collaboration fructueuse, qui est d'abord celle de l'exécutif, des adjoints et adjointes, avec l'ensemble des services municipaux, non seulement perdure, mais s'enrichisse et dynamise les uns et les autres pour les années qui viennent. Merci, monsieur le directeur général des services. On aurait pu faire 133 applaudissements. Excusez-nous pour cette incarnade dans la règle protocolaire de ce conseil municipal, mais je crois qu'après 18 ans de bons et loyaux services, ça valait bien cela. Belle route à vous. On a négocié très durement, en fait, sa date de départ, parce que la nouvelle maire d'Avignon voulait absolument qu'il soit là pour le festival. Et donc, on a trouvé un entre-deux. Il faisait le dernier conseil municipal. Et puis ensuite, dès demain, il rejoint Avignon, à la fois pour prendre ses fonctions, mais aussi pour assurer une organisation importante pour cette ville. Voilà, pour celles et ceux qui veulent lui témoigner un petit message de sympathie, on se donne rendez-vous dans la salle de l'ancienne bibliothèque. Très bonne soirée à vous, bon été à vous.